Nous allons commencer le temps que les uns et les autres s'installent. Alors, je vous remercie d'avoir tout d'abord répondu aussi nombreux à ce colloque organisé par le think tank Cabinet de croissance créé par Jean-Georges Béthiot, membre du Conseil de l'Ordre, en partenariat avec le Baron entrepreneurial que j'ai l'honneur de diriger. Je m'appelle Laurent Samamar et je tiens à remercier pour l'organisation de ce colloque Séverine Vieuil, Pauline Boussin, pour leur précieuse collaboration. Alors, selon les spécialistes, la marque est un signe distinctif qui constitue un repère pour le consommateur et une garantie de qualité de service. La marque serait également un élément essentiel pour le développement d'une activité professionnelle. Ce serait donc la signature qui va permettre de différencier notre offre, bien singularisée et identifiée de celle de nos concurrents. Alors, dès lors que la marque a acquis une certaine notoriété, elle deviendrait donc un outil de ralliement, de fidélisation de la clientèle aux services proposés, bref, un instrument de garantie. Qu'en est-il des cabinets d'avocats et les avocats ont-ils une politique de marque? C'est dans une démarche de création de cabinets d'avocats que l'objectif de la marque serait peut-être devenu prioritaire pour donner au cabinet l'assise et pour lui assurer la pérennité nécessaire dans un environnement dont on dit qu'il est devenu instable. Tout cela, bien sûr, se fait dans le temps, dans la stabilité, mais aussi avec nécessairement des investissements souvent importants en termes de communication. Alors, autant de questions qui seront nécessaires et qui seront soumises à la réflexion de nos deux tables rondes de ce soir que je vais vous présenter immédiatement. La première table ronde, la marque avocat. Quelle image renvoie l'avocat aujourd'hui? Elle sera animée par Paul Gonzalez, journaliste au Figaro, et je vous laisserai présenter vos invités tout à l'heure. La deuxième table ronde, la marque de l'avocat. Elle sera animée par Laurence Garnery, rédactrice en chef adjointe de la Gazette du Palais, et qui interrogera ses avocats entrepreneurs qui ont fait ce choix stratégique, déterminé, de marquer leur empreinte pour construire leur marque et peut-être écrire aussi leur histoire. Nous aurons bien entendu des échanges avec vous après chaque première table ronde. Et pour clôturer le troisième temps de ce colloque, Jean-Georges Béthiot se livrera à l'exercice délicat, périlleux, mais il aime ça, l'exercice de la synthèse. Alors, normalement dans mon texte, j'avais écrit, mais dès à présent, je vous remercie d'accueillir Madame le bâtonnier. Mais on va faire la même chose, on va dire, mais dès à présent, je vous demande. Mais avant. Ah oui, c'est vous qui avez fait un oui. C'est un super spot, peut-être le meilleur pour faire connaître les avocats, parce que dans cette... Je crois que vous avez tous nos intervenants à l'écran. Voilà. Parce que finalement, dans cette première table ronde, quelle image renvoie l'avocat aujourd'hui? On pourrait peut-être tourner la question autrement et se demander si l'homme de la rue a une autre image de l'avocat que celle qui est proposée par les séries télé
ou par les grands pénalistes qui occupent les chaînes d'infos en continu, car ce sont eux finalement qui occupent l'espace médiatique de votre profession. Et la question bien sûr qui se pose, c'est celle d'une vision qui serait peut-être artificielle et qui occulte sans doute la diversité de votre profession, et j'ai envie de dire aussi votre démographie, parce qu'on voit beaucoup d'hommes dans ces grands pénalistes et assez peu les femmes, et pourtant il y en a de remarquables. Alors cette question de l'image, elle se pose pas seulement à cause de ceux qui parlent, ou parce qu'être avocat aujourd'hui c'est sans doute un socle commun de valeurs, mais des métiers très divers, ou parce que finalement les legal tech, les nouvelles technologies vous contestent un peu votre rôle de sachant dans l'opinion publique, mais c'est aussi parce que je pense que le grand public a moins affaire à vous, avocat, qu'il n'a affaire à d'autres professions réglementées comme les notaires, l'huissier ou même l'expert comptable. Et c'est un peu paradoxal parce qu'on est finalement dans une société du droit, un droit qui envahit toutes les strates de la société. Et peut-être la première question que l'on peut se poser par rapport à cela, c'est quelle est la relation des Français avec le monde de la justice, et pour cela, et du coup, comment ça influe déjà sur le métier d'avocat ou le rapport avec le métier d'avocat. Et on peut poser la question à Fabienne Gaumont, directrice à l'IFOP, sur ces questions-là, qui va peut-être ainsi ouvrir ce débat et à travers cette première problématique. Bien, bonsoir. En effet, à l'IFOP, on a réalisé un certain nombre d'études auprès des Français sur la justice en général, sur le système judiciaire en général, et il ressort un certain nombre de tendances qui se confirment au fil du temps, à commencer par l'indicateur de la confiance en la justice, de façon générale, indépendamment des professions qui exercent la justice. Et ce qu'on peut noter comme premier indicateur, c'est que la confiance envers la justice, elle est, comme vous pouvez le voir à l'écran, plutôt ambivalente. C'est-à-dire que si 55% des Français disent avoir confiance globalement en la justice, et bien 45%, donc une proportion qui est légèrement inférieure, est plutôt du sentiment inverse. Alors, plus précisément, il existe deux ressorts principaux de la confiance qui ont été relevés auprès des Français. C'est tout d'abord la reconnaissance de la compétence des magistrats, ou en tout cas la compétence perçue des magistrats, et dans un second temps, l'impression d'une justice qui serait accessible pour tous, d'un point de vue financier en tout cas. A contrario, il existe deux représentations qui peuvent expliquer la défiance à l'égard de la justice. C'est d'une part un aspect plutôt inégalitaire de la justice, en ce qu'elle ne serait pas exercée de la même façon pour tous, la justice ne serait pas la même pour tous, et ensuite qu'on perçoit la justice dans son exercice qui est à laquelle on associe plutôt la lenteur. Alors, quoi qu'il en soit, on est déjà sur les autres chiffres, mais en tous les cas, ce qu'on a pu observer, c'est qu'il existe un réel attachement des Français à la justice en tant qu'institution. Il y a plusieurs indicateurs qui nous démontrent ça. Tout d'abord, à la veille du précédent scrutin présidentiel, on avait pu observer que les trois quarts des Français estimaient que la justice devait figurer parmi les enjeux qui devaient être considérés de façon prioritaire par les candidats à la présidentielle. Donc ça, c'est déjà un résultat qui est très fort. Deuxièmement, donc ça, c'est un indicateur qu'on avait mesuré en 2013, donc bien avant que le pays ne soit plongé dans une atmosphère particulièrement anxiogène à la suite des attentats de 2015. Et bien déjà à l'époque, on estimait que ce n'était pas dans le secteur de la justice qu'il devait y avoir des réductions de dépenses publiques. Donc ça, c'est un indicateur également important.
qui démontre l'attachement des Français à la justice. Et enfin, troisième indicateur, on avait, parmi toute une série de services publics, on peut passer au troisième, voilà, merci, parmi toute une série de services publics, et bien les trois quarts des Français disent eux-mêmes être attachés au service public de la justice. À titre de comparaison, les services publics de l'emploi n'ont un score que de 50% en termes d'attachement. Donc ça, c'est particulièrement intéressant aussi. En conséquence de cet attachement à la justice en tant qu'institution et à la justice de façon générale, sur les résultats suivants, si on peut bien passer à la page suivante, merci. Conséquence de cet attachement à la justice, eh bien la profession d'avocat en tant que professionnel du droit ressort perçue de façon très positive. On a ici mesuré l'opinion à l'égard d'un certain nombre de métiers et 6 Français sur 10 ont une bonne opinion de la profession d'avocat. Donc c'est un score qui certes se situe en deçà d'autres professions comme celle du secteur de la santé ou celle ou les professions qui exercent des missions de service public comme les policiers ou les enseignants. Mais ça, de toute façon, ce sera, quelle que soit l'enquête, quels que soient les indicateurs mesurés, on arrivera toujours derrière les professionnels de santé. Donc c'est un score qui, certes, se situe en deçà, mais c'est une opinion qui est majoritairement positive. Donc ça, c'est un socle pour la profession sur laquelle elle peut s'appuyer, elle peut compter. Et deuxièmement, c'est que c'est un score qui est au-dessus de celui des journalistes, 58%, mais alors bien devant d'autres professions qui, elles, ne peuvent pas compter sur un tel atout. Ce sont les banquiers, les agents immobiliers et les députés. Donc malheureusement, eux n'ont pas cette chance. Alors, quoi qu'il en soit, l'avocat représente la fonction, la composante du système judiciaire qui est la mieux identifiée au sein du système judiciaire. 71% des Français se disent eux-mêmes plutôt bien informés sur le rôle de l'avocat. Et ça, c'est ce qu'on a mesuré parmi toute une liste de composantes du système judiciaire. Il n'y avait pas que des professions, il y avait aussi d'autres aspects. Mais c'est vraiment ce qui arrive tout en haut de la liste de ce qui est identifié au sein du système judiciaire. Le deuxième aspect qui est relevé n'arrive qu'à hauteur de 51%, et c'est la profession d'huissier de justice. Donc l'avocat a plutôt une image positive. À titre subsidiaire, on a aussi mesuré au travers de nos enquêtes que jusqu'à présent, 4 personnes sur 10 disent avoir déjà eu recours au service d'un avocat. Et ça s'est soldé, dans les 2/3 des cas, par une satisfaction à l'égard de cette collaboration, prestation. Par ailleurs, c'est aussi une profession qui semble séduire de plus en plus, puisqu'on a remarqué une progression phénoménale en un peu plus de 10 ans, je crois. Si mes chiffres, alors je ne sais pas si c'est les mêmes, en 2006... Merci. En 2006, on était à 45 800 professionnels, personnes qui exerçaient la profession d'avocat. Et en 2016, 63 900. J'ai lu quelque part qu'on était même arrivé à 65 500 en 2017. Donc c'est une progression de plus de 40% en à peine plus de 10 ans, ce qui signifie aussi de l'attrait de la profession auprès des jeunes aujourd'hui. Parallèlement, on a un sentiment d'information, de connaissance de la justice qui apparaît très minoritaire. Et ça nous est montré au travers de plusieurs indicateurs symboliques que vous voyez apparaître ici. Il y a un petit défaut de mise en page. On a seulement 3 Français sur 10 qui se disent bien informés sur l'action du ministère de la Justice. De même sur les métiers de la justice, le déroulement des procédures et des procès, et une proportion identique qui est à même de faire la différence entre les fonctions d'un juge minoritaire du fonctionnement du système judiciaire aujourd'hui
Et au final, eh bien, on a l'impression que, enfin, on n'a pas l'impression, c'est-à-dire que de leur propre aveu, les trois quarts des Français, le chiffre suivant, les trois quarts des Français avouent ne pas bien connaître le langage judiciaire. Donc tout ça pour en conclure, au regard de ces observations uniquement auprès du grand public, avec l'impression que eh bien, la profession gagnerait à s'adresser un petit peu plus au grand public directement, alors avec une communication qui soit à sa portée, qui soit pédagogique, et ce de façon à exercer ou en tout cas renforcer le rôle de passeur entre les deux extrémités de l'échelle, c'est-à-dire entre la justice d'une part et entre le citoyen d'autre part, qui est un petit peu perdu dans ce système-là. Alors oui, justement, on peut évoquer justement le renforcement de ce lien peut-être avec Marc Mossier, parce que finalement, cette question-là, elle est très prégnante quand il s'agit des entreprises. Marc Mossier, vous qui avez été des deux côtés, si j'ose dire, c'est-à-dire côté avocat, vous avez été avocat, et maintenant vous êtes côté entreprise. Pour vous, qu'est-ce que les entreprises attendent de leur avocat? Est-ce qu'aussi le contrat est-il rempli, finalement? Et est-ce que vous avez noté une évolution des attentes de la part de ces entreprises par rapport à ce que sont les avocats? Bonjour. Merci de m'accueillir. On se dit tout, ici. Hein, c'est l'occasion où j'arrive. C'est sous le sceau du secret, donc ça va rester ici. Et comme Internet ne marche pas, il n'y a pas de raison pour avoir tweeté. Donc ça tombe bien. Donc on va tous dire. Alors, je vais commencer par des choses très positives. En tant que directeur juridique, j'ai été en France pendant de longues années, et puis maintenant je suis en Europe. Je vous dirais que la relation avec les avocats est dans l'ensemble une bonne relation, et la perception est plutôt positive. J'ai donné pour les pétales de rose. Ça va vite parce qu'on ne va pas passer du temps. Non, mais c'est parce que c'est pas très intéressant de se dire qu'on est formidable et qu'on s'aime. Voilà. Donc après, les roses, les pétales, les épines. Et là, je voudrais vous faire un certain nombre de remarques. La première, c'est que mon sentiment, qui n'est pas que le mien, c'est que la profession d'avocat, qui est diverse, et je pense que c'est important de le dire, de la même manière que du côté des clients entreprises, il y a une vraie diversité entre les grandes entreprises, les PME, à Paris, en région internationale, focalisées sur un marché local. Donc, évidemment, ce que je vais dire là ne peut pas épouser toutes les situations. Mais, cela étant dit, parfois, on peut avoir le sentiment que la profession d'avocat se positionne un peu de manière défensive et qu'elle a du mal à avancer vers ce que sont les nouvelles attentes et les nouvelles demandes. Et ces nouvelles attentes, ces nouvelles demandes pourraient être de plusieurs sortes. La première chose, j'ai envie de dire, c'est que, vous l'avez souligné à juste titre, le besoin de droit est plus important que jamais. Et ça me paraît vraiment important à garder à l'esprit. Dans une société qui est de plus en plus complexe et qui a de plus en plus besoin de droit pour l'aider à répondre à cette complexité. Lorsque vous êtes dans l'entreprise, c'est vrai, et pour le coup, quelle que soit la taille de l'entreprise. Or, parfois, on a le sentiment que les avocats peuvent encore résister à ce besoin de s'adapter à des nouveaux côtés de leur métier, à des nouvelles matières qu'ils doivent aborder, à des nouveaux sujets sur lesquels ils doivent venir, desquels ils doivent se rapprocher, dont ils doivent s'emparer, pour être véritablement une force de proposition. Et ça me paraît vraiment quelque chose d'important. Les avocats d'aujourd'hui doivent véritablement appréhender les nouveaux besoins du droit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que... je vais peut-être en heurter certains ici. Une fois qu'on a dit qu'il y a une relation d'attitude personnelle qui est importante, qui reste essentielle, qui demeure fondamentale, parfois, les avocats peuvent avoir tendance à s'enfermer dans leur propre récit et oublier qu'ils sont d'abord au service d'un client. Et ça paraît une évidence, mais lorsque vous êtes un avocat et que vous adressez à une entreprise, vous devez absolument
vous attacher aux besoins de ce client. C'est pas simplement répondre à ce qu'est sa demande technique, mais comprendre ce que sont ses besoins en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise. Donc faire l'effort de venir comprendre ce qu'est son business, ce qu'est son activité. Et ça me paraît véritablement essentiel, parce que vous ne pouvez pas simplement être un sachant, un expert, être au-delà du besoin du client en surplomb. Vous devez vraiment faire l'effort de comprendre ce qu'est son besoin, et donc d'être un vrai business partner. Et peut-être que lorsque on confronte cette expression business partner à ce qu'est le récit de l'avocat, il y a une petite tension, et véritablement je pense que cette tension doit être surmontée, et elle n'affectera pas du tout ce qu'est la nature de l'avocat et son rôle d'auxiliaire de justice et son rôle dans l'état de droit. Ça ne l'affectera pas. La troisième chose, et j'en finirai par là pour tenir mes 5 minutes, et c'est l'autre casquette que je dis à cet instant, c'est celle de la FJE, c'est qu'à mon sens, enfin c'est pas qu'à mon sens, c'est un autre sens, dans ce monde extrêmement complexe, où le besoin de droit est de plus en plus important, et où ce besoin de droit fait naître de nouveaux acteurs, vous avez évoqué les legal tech, et où les systèmes juridiques sont en compétition au niveau européen, au niveau mondial. Le vrai futur de l'avocat, c'est pas de rester isolé, c'est de se construire dans une vraie communauté avec les juristes d'entreprise. C'est une surprise pour personne, lorsque la FJE se mobilise pour la grande profession du droit, c'est pas pour défendre un intérêt catégoriel des juristes d'entreprise, ça ne rapporte rien, véritablement en termes de statut, c'est parce que c'est pour le droit français, pour son attractivité, pour sa compétitivité, et pour le métier d'avocat, ce qui nous semble être la meilleure manière d'être dans une stratégie offensive. Je disais au tout début que parfois, le sentiment, c'est la vision d'une profession peut-être un peu défensive par rapport à tout ce qui l'entoure. La meilleure manière de conquérir non seulement de nouveaux marchés, de gagner sur la question du secret professionnel, de gagner sur des nouveaux territoires, les données personnelles, la compliance, le devoir de vigilance, la cybercriminalité, la cybersécurité, pour gagner sur tous ces domaines-là, la vraie solution, c'est de créer une communauté juridique. Et regardez tous les marchés où le droit est dynamique, c'est une véritable communauté juridique, une vraie filière du droit, qui est au plus haut niveau dans les entreprises, ce qui se manifeste de plus en plus dans les entreprises françaises. Et donc, on attend, nous, dans l'entreprise, que les avocats comprennent ce besoin, pas pour nous, pas pour notre statut, mais pour le futur de la profession d'avocat et pour le futur du droit français et du droit européen dans la compétition qui est la nôtre aujourd'hui. Vous n'applaudissez pas. Non, mais pour revenir, moi il y a deux choses qui émergent dans votre discours, je crois. Il y a quand même ce lien de l'intuitu personné, cette question de l'intuitu personné, cette question de la communauté juridique. En parlant avec les uns et les autres, moi j'ai l'impression que que ça date pas d'hier. Et Jérôme Bignon pourrait nous donner peut-être son témoignage et son expérience par rapport à ça, puisque je crois que vous avez créé votre cabinet d'avocat, enfin votre marque d'avocat dès 1982, avec, quand on en a parlé, cette logique aussi d'être à la fois dans une communauté juridique et aussi dans une logique de marque qui soit au service de vos clients. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur cette histoire ? Merci de m'accueillir. Si je reprends depuis 1982, ça va être long. Je vais essayer d'être très bref, puisque vous me l'avez dit dire ce soir, je me souviens d'une anecdote qui m'a beaucoup marqué, qui me marque encore, il n'a échappé à personne que je suis devenu un homme politique, en même temps d'ailleurs que j'étais avocat. Quand cette histoire me tombe dessus, si j'ose dire, c'est en 1981, mon père, qui était un homme politique, meurt d'un accident de voiture. Et en 3 semaines, je me retrouve élu maire, conseiller général, et je n'ai pas cessé depuis bientôt 40 ans.
Le préfet de l'époque, qui est un ancien directeur de la DST dans mon département, me convoque, parce que c'était à l'époque où Pognard était ministre de l'Intérieur, donc on convoquait les hommes politiques et pour tester quel est mon... Est-ce que je suis capable de devenir élu, parce que la majorité du département dépendait, donc je ne vais pas vous raconter toute l'histoire. Et il me dit, vous êtes avocat au barreau de Paris, j'étais avocat au barreau de Paris, je m'étais installé quelques semaines avant, j'avais été collaborateur, quelques semaines avant ce décès tragique, je m'étais installé. Et le préfet me dit, mais il faut venir vous installer dans la Somme, avec le nom que vous portez, retenez bien ça, avec le nom que vous portez, vous, votre carrière est faite, vous avez un cabinet magnifique, et les clients vont défiler. Effectivement, mon père avait été parlementaire, enfin, bref. Donc, je me garde bien, et je remercie le ciel tous les jours d'avoir fait ça, de suivre son conseil. Je reste avocat, jeune avocat au barreau de Paris, et à partir de ce moment-là, j'ai essayé de faire autre chose, mais je ne veux pas mélanger, et je ne l'ai jamais fait, cloison étanche entre ma vie publique et ma vie politique. Je n'ai jamais eu un client dans le département de la Somme, et j'en ai jamais pris un, jamais. Parce que je ne voulais pas mélanger, et bien on a pris, parce que j'ai des tas de confrères dans la Somme qui faisaient de la politique, machin, on ne savait pas très bien s'ils étaient parlementaires, conseillers départementaux ou avocats, bon, bref. Donc j'ai, à Paris, donc je me suis posé la question, comment je fais ? Donc j'ai commencé avec tout le monde, collaborateur, et puis le hasard de la vie a fait que je suis tombé sur un copain avec qui j'avais passé le bac quelques années avant, qui était chez Cléry Gottlieb. Il cherchait à quitter Cléry Gottlieb parce que il n'avait pas de perspective de devenir associé, donc j'ai essayé d'être très court, et on décide de faire quelque chose ensemble. Et naturellement, s'est posé la question du nom du cabinet. Et on s'est appelé Mignon Lebray, parce que dans l'ordre alphabétique, j'étais avant lui, et que lui, voilà, et c'est pas parce qu'il aurait pu, il avait toutes les raisons, il venait d'un gros cabinet anglo-saxon, moi j'étais rien du tout, juste un petit cabinet qui débutait, il était plus âgé que moi, enfin, bref, on s'est appelé comme ça. On n'en a pas discuté beaucoup, et ça, c'était euphonique, ça passait mieux que Lebray Mignon. Enfin, bon, c'est ce que je me suis dit pour le convaincre définitivement. Et puis, le cabinet s'est fait comme ça, donc 1982, on crée le cabinet, et il s'est développé gentiment, j'allais dire, dans l'idée d'être un cabinet. On s'est un peu installé dans un système, parce qu'on a adhéré à ces... On a été démarché, et on a adhéré à une marque américaine qui s'appelait à l'époque Commercial Law Affiliates, qui était un cabinet medium size de firmes un peu provinciales aux États-Unis, si on peut parler de province aux États-Unis, enfin c'était pas des cabinets de la côte Est. Philippe était un ancien de chez Cléry Gottlieb, son frère est venu nous rejoindre, Xavier, c'est un ancien de chez White & Case, et mon frère est venu nous rejoindre, c'est un ancien de Louis Valentine. Donc on était, moi j'étais le seul français pur jus de l'équipe, eux ils avaient tous été nourris au sein des cabinets anglo-saxons, donc on a opté pour la TVA d'emblée, et on s'est inscrit dans un processus où on n'a jamais pu discuter entre nous de Mignon Lebray. Alors après, il y a des associés nouveaux qui sont rentrés, parce qu'on a opté pour ce système, il y en a plein qui nous ont... À un moment, on a dû être 40 associés, donc... on a tenté des opérations de fusion qui ont souvent échoué à cause du nom, parce que c'était compliqué de s'appeler Mignon Lebray, Dupont, Durand, etc. et compagnie, que nous, on n'avait pas envie de renoncer à Mignon Lebray, parce qu'on se dit, finalement, ça fait X années que ça marche, et ça marche pas si mal, puisqu'on a développé le cabinet, on a été, avec des collaborateurs assez nombreux, on a ouvert à Lille, on a ouvert à Lyon, on a ouvert à Aix-en-Provence, on a eu un petit bureau à Madrid un temps, on est allé à Shanghai, toujours sur cette marque-là, et on a pensé que ben voilà, c'était notre histoire à nous. On a adhéré à ce réseau anglo-américain qui a été intéressant parce que c'était exigeant en termes de qualité sur le plan de l'organisation, du rapport avec les clients, du timesheet, etc., etc. Donc on s'est bâti dans cette histoire, et le cabinet existe toujours. Alors peut-être que je vous raconte ma fin à moi. Donc, j'ai été donc maire, conseiller général, conseiller régional, j'ai fait tous les mandats locaux possibles. J'ai été député 3 mandats et aujourd'hui je suis sénateur. En 2010, j'étais épuisé, j'ai continué à être avocat. Donc avec des formules très compliquées, parce que vous connaissez comme moi l'interdiction qui est faite à un parlementaire de plaider pour ou contre l'État dans du droit administratif, d'avoir un associé fiscaliste, etc. Et comme j'étais assez rigoureux sur cette histoire, j'avais pas envie de me faire attraper par la patrouille, j'étais obligé de quitter le cabinet,
de démissionner de tas de trucs. Enfin, j'avais plus de responsabilité, mais je restais parce que j'avais un problème qui était terrible, dont je vais vous parler, qui va vous paraître très terre à terre. C'est qu'on dit toujours que les hommes politiques sont trop payés, mais ma femme n'était pas du même avis, et donc il n'était pas inintéressant que je reste un peu avocat pour faire bouillir la marmite un peu mieux qu'avec la rémunération d'un député. Voilà, je suis très trivial, mais je dois la loyauté du confrère que je suis encore, au moins comme avocat honoraire à votre égard, de vous dire ma vérité, c'est ça. Alors, voilà, après, donc, 2010, je démissionne, je quitte le barreau, je deviens avocat honoraire, et se pose à un moment le problème de que va devenir le nom. Donc, on était 2 millions de Lebray, donc il y avait de la marge pour que ça reste Billon Lebray pendant un long moment. Et puis, Philippe nous avait quittés parce que, voilà, il nous avait quittés. On raconte pas des histoires quand elles ont été un peu douloureuses, donc c'est pas la peine d'en parler. On est redevenus copains et tout va bien. Jean-Paul, donc Xavier et Jean-Paul sont restés tous les deux. Xavier est parti, Jean-Paul est parti plus récemment, et on a un deal avec ceux qui sont restés. Ils ont demandé à garder le nom, et on a passé un accord en disant que le dernier, on reverrait la question quand le dernier qui a été associé avec nous prendrait sa retraite. Voilà. Donc, il y en a encore pour quelques années. Et on l'a fait évidemment totalement gratuitement. Il y a juste un papier disant qu'ils peuvent utiliser le nom librement, enfin, en respectant évidemment les bonnes mœurs, pendant le temps où le dernier qui a vécu avec nous comme associé. Voilà. C'était trop long. Non, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est... sur la fin, lorsque vous évoquez effectivement la création de cette marque, et de cette marque finalement qui dure, et si elle dure, et si vos collaborateurs, vos associés vous ont demandé de la garder, c'est parce qu'elle incarnait quelque chose, justement, un intuitu personné par rapport à vos clients. Indiscutablement, c'est vrai, c'est pas une marque qui est excitante en elle-même, mais on avait des antécédents. Il y avait Gilles, Rambaud-Martel, pour ne pas les nommer, qui étaient des cabinets français de bonne tenue, anciens, qui existent toujours, alors qu'il n'y a plus un des fondateurs qui soit là, sauf peut-être des descendants, mais encore, j'en suis même pas sûr. Alors là, c'est le côté, je dirais, vraiment de la relation avec le client. Mais il y a aussi une autre question dans l'image que peut véhiculer l'avocat, c'est celle qu'il véhicule auprès finalement des décideurs politiques et qui sont ceux qui vont un peu décider de votre sort. Alors, pour évoquer cette question, Dominique Perben est tout indiqué puisqu'il a été garde des Sceaux et il va peut-être pouvoir nous dire, lui, il est avocat, lui justement, comment il a perçu en tant que garde des Sceaux, en tant qu'homme politique, devant prendre des décisions pour cette profession, eh bien, la nature des avocats, ce qu'ils sont, comment vous les avez perçus. Merci, bonsoir, merci de m'accueillir. D'abord, je voudrais revenir sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure, qui me paraît très très important. Nous sommes dans une société terriblement judiciarisée, de plus en plus, et où le rôle du juriste, l'avocat, mais pas seulement, est de plus en plus importante et perçue comme telle par l'opinion. Donc c'est un point important parce que ça veut dire que beaucoup plus qu'il y a 30 ou 40 ans, l'avocat, ça fait partie de la vie économique, sociale, etc. Bon, c'est un point, c'est un élément très important. Alors, vous parlez de l'image que l'avocat peut renvoyer au pouvoir public, au fond, c'est la question que vous me posez. C'est un peu compliqué. Et moi, j'ai fait le chemin inverse de Jérôme, c'est-à-dire que j'ai d'abord été, après une autre vie qui n'a rien à voir avec ça, j'ai été homme politique, et puis quand j'ai décidé de quitter la politique, je suis devenu avocat. Donc, moi, l'avocat, quand je suis devenu garde des Sceaux, c'était plutôt les collègues de la commission des lois, voilà. C'est-à-dire plutôt les droits de l'homiste de la commission des lois, pour dire les choses en langage courant. Bon. Je suis devenu garde des Sceaux, et alors là, je me suis retrouvé, évidemment, dans une relation de discussion avec l'ensemble des professions, dont celle des avocats, compliquée. Et ça reste d'actualité. Je prendrai des exemples. Mais
la diversité de la représentation, l'éclatement de, notre représentation, je suis maintenant dans la profession, le fait que le ministre de la Justice ait trois interlocuteurs et pas un seul, trois structures, est quelque chose d'extraordinairement négatif en termes d'efficacité. Il faut que vous le sachiez. Parce qu'on ne sait pas avec qui parler. Et la conséquence de cela, dans une parfaite bonne foi de l'ensemble des acteurs, c'est que l'on n'arrive pas à passer un deal. Quand on négocie, quand on se parle, c'est pour aboutir à un accord, ou à un accord sur un désaccord, au minimum. Mais quand vous avez trois interlocuteurs qui sont souvent dans des situations de semi-concurrence, je ne sais pas si la bâtonnière nous a rejoint, mais elle pourrait peut-être en dire un mot, ça rend les choses très difficiles. D'autant plus que les intérêts ne sont pas les mêmes. Le bâtonnier ou la bâtonnière de Paris représente un certain type de profession, une certaine diversité. Les barreaux de province, c'est autre chose, etc. Et donc le ministre est face à des gens qui ne sont pas d'accord entre eux, et qui n'étant pas d'accord entre eux, et c'est ça qui est le plus important, ça rejoint tout à fait ce que vous avez dit tout à l'heure, ne peuvent pas être dans une situation de proposition, ils ne peuvent être que dans une position de contestation ou de conservatisme. Je prends l'exemple qui, on peut en penser ce qu'on en veut. En 2003, je suis ministre et partisan de la grande profession avec les responsables juridiques des entreprises. Bon. Le bâtonnier de Paris, à l'époque, me dit, en tout cas dans mon bureau, ok. Les deux autres responsables disent non, la chose ne se fait pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est en 2018 et qu'on est toujours au même point. Alors, bon, étant entendu que l'affaire n'est pas tranchée, même pas négativement, c'est-à-dire que je n'ai entendu nulle part qui que ce soit dire « plus jamais, on le fera jamais ». Bon, en fait, on est toujours en train de se demander si on le fera peut-être un jour. C'est un peu ennuyeux parce que ce qui a été dit tout à l'heure est très juste. Le monde de l'entreprise a considérablement changé. La place du juriste, la place de l'avocat dans le monde économique a complètement changé depuis 20 ans. Or, on est toujours dans le même système institutionnel. On n'en a tiré aucune conclusion. Et ça, c'est un problème. Et je trouve dommage que le monde des avocats, dans leur diversité, qui, ça c'est quelque chose que j'ai plutôt découvert depuis que je suis avocat, plus qu'à l'époque, est très au fait de tout ce qui est neuf dans le monde économique. Et ça, c'est un atout extraordinaire. Les avocats sont, je dirais, ils sont ceux qui perçoivent peut-être le mieux les frémissements de ce qui est nouveau, de ce qui est en train d'apparaître, de ce qui se passe dans la mondialisation, de ce qui se passe avec les nouvelles technologies, de ce qui se passe avec le numérique, etc. Donc il y a une espèce de sensibilité au monde qui vient, dont les avocats devraient être davantage porteurs, parce qu'ils le savent. Ils le savent tous les jours, mais ils ne l'expriment pas dans la discussion avec les pouvoirs publics, en tout cas pour les avocats qui exercent ce métier-là. Deuxième observation, qui est un peu le corollaire, c'est que finalement la parole des avocats est un peu monopolisée par les questions pénales et par les grands pénalistes. Ce qui en soi n'est pas négatif, je veux dire, ce sont des sujets importants et Dieu sait que j'ai... Bon. Mais même sur ces sujets-là, il y a parfois une attitude, je trouve, terriblement conservatrice. Je vais prendre un autre exemple. Qu'est-ce que j'ai pas entendu lorsque j'ai lancé l'idée de la CRPC? Tout le monde était contre. Le barreau de Paris, le conseil des barreaux, tout le monde était contre. Toute la profession était contre. J'étais presque insulté à l'Assemblée, etc. Bon. Or, si on réfléchissait même en 2003-2004 sur l'évolution de la justice pénale, l'apparition progressive d'un besoin d'une justice, entre guillemets, négociée, vous comprenez ce que je veux dire, ce qui est quelque chose qui aujourd'hui est parfaitement accepté, et qui à l'époque... Mais on aurait pu ensemble y réfléchir d'une manière plus posée, plus détendue. Finalement, je suis arrivé à le faire. Aujourd'hui, personne n'envisage de revenir là-dessus. Mais c'est dommage, vous voyez,
que cet éclatement de la représentation, cette difficulté pour la profession d'être dans une attitude de proposition sur les sujets les plus sensibles, aussi bien sur le plan économique que sur le plan sociétal, le pénal en étant le sociétal, c'est alors que l'ensemble des professionnels sont complètement en capacité d'exprimer ce dont la société a le plus besoin, d'une manière très moderne, en étant, j'allais dire, un peu à l'avant-garde du mouvement social. C'est le rôle normal des avocats, parce qu'ils ont cette sensibilité à ce qui est nouveau et à ce qui peut apparaître. Donc voilà un petit peu comment je ressens les choses, comment je l'ai vécu d'abord. Mais ça, je dirais que ça n'a pas énormément d'importance. J'ai l'impression que c'est quand même toujours un peu pareil. J'ai observé avec attention les discussions qui sont en cours depuis quelques mois entre les pouvoirs publics et la profession. Je n'ai pas été absolument renversé d'enthousiasme par la richesse du dialogue. Je le dis avec une certaine franchise, mais avec en même temps modestie. Moi, je ne suis plus sur ces sujets aujourd'hui. Mais bon, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres choses à dire, d'autres choses à faire, y compris sur l'organisation? Prenons un exemple, il faut toujours prendre des exemples. L'organisation territoriale de la justice. Est-ce que vraiment le rôle des avocats, c'est d'être systématiquement contre tout changement? J'en suis pas sûr. Si on réfléchit un peu sereinement, on se rend bien compte que le système mériterait quand même des accommodements, des changements, des modifications, des évolutions. Ce serait intéressant que la être en attitude de proposition. Voilà quelques remarques que je voulais faire pour répondre à votre question. Alors justement, vous dites deux choses importantes. Vous revenez sur cet éclatement de la société qui est éclatement de votre profession qui est très dommageable. Vous revenez aussi sur ce conservatisme, alors que les avocats sont souvent les mieux placés pour comprendre les évolutions de la société. Et du coup, on peut se poser une question par rapport à ces deux paramètres. C'est, est-ce qu'il est possible d'avoir une marque unique avocat, compte tenu de la diversité et de l'éclatement de cette profession, d'une part? Et est-ce que, si on crée cette marque avocat, cette création ne doit pas se faire autour peut-être de nouvelles valeurs plus accessibles au grand public que celles qui sont souvent portées sur le plan médiatique et qui peut-être sont très corporatistes mais ne parlent pas au grand public? Et cette question, je vous la pose à vous, Paul Rechter, en charge des affaires publiques au barreau de Paris et en charge de la communication. Bon, la question est vraiment très complexe. Est-ce que l'avocat est une marque à proprement parler? Je ne pense pas que l'avocat, comme le médecin, l'huissier, le professeur, le journaliste, soit une marque. Avant, il y avait tout culturel. Jack Lang disait tout est culturel, et depuis 10 ans, on a une espèce de folie qui consiste à considérer que tout peut être une marque. L'avocat a une image de marque, on en a parlé. L'ordre des avocats, c'est une marque de fabrique pour les avocats, fabrique de déontologie notamment, de régulation du secteur. Est-ce que ça fait que l'avocat est une marque? Moi, j'ai envie de vous dire pourquoi pas, on pourrait y réfléchir. Si l'avocat devait être une marque, pour moi, quoi qu'il en soit, il ne pourrait pas l'être d'un point de vue corporatiste comme vous le suggérez, ou tout au moins comme vous l'évoquez. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'une publicité, pour ceux qui sont nés comme moi il y a fort longtemps, mais qui était extrêmement intéressante et qui a, pour un ensemble de sociologues, été assez révélatrice. C'est une marque qui s'appelle Vigor. Est-ce que vous vous souvenez de Vigor, qui était une marque de produits ménagers? Alors, je vais vous raconter cette pub. Donc, vous aviez un énorme bidon qui, d'un seul coup, rétrécissait pour devenir un bidon ménager. Et le slogan, c'était « Vigor, la puissance industrielle au service de vos sols ».
Qu'est-ce que nous disait ce slogan? Il nous disait qu'au final, l'aspiration des gens à la puissance, industrielle, pouvait être accessible à tous. Donc j'ai envie de dire que si l'avocat demain doit être une marque, et si on essaie de faire un parallèle peut-être un peu audacieux, ça consisterait finalement à considérer que l'avocat, il met la force et la puissance du droit au service de l'utilité et du besoin de sécurité au quotidien que les gens peuvent avoir. Et je pense que l'avocat, à ce titre, devient donc une espèce de médiateur du droit. Il met la force, la complexité, la puissance du droit au service, effectivement, de la compréhension et de l'utilisation par l'ensemble des citoyens de ce droit. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on en a parlé, mais tu ne m'as pas amené sur le sujet, en me disant, mais c'est quoi finalement la promesse de marque des avocats? Alors là, on est vraiment dans le discours marketeux. Moi, j'ai été pendant 6 ans chez Publicis, et donc j'ai réfléchi à beaucoup de stratégies de marque, plutôt des stratégies de marque commerciale. Mais finalement, une promesse de marque, c'est quoi? C'est l'invitation qu'une marque fait à ses utilisateurs, que ce soit des consommateurs ou tout autre, à entrer dans un univers un peu fantasmagorique. En gros, je vous permets d'entrer dans l'univers, à travers les publicités que je fais, qui vont vous permettre d'acquérir un certain statut. Alors, on va prendre un exemple, je suis désolé pour mon collègue de Microsoft, mais je vais prendre l'exemple d'Apple. Quand Apple a décidé de lancer sa grande offensive de reconquête du marché, il a fait appel à une agence qui a introduit ce qu'on appelle la méthode dite disruptive, qui consiste à complètement casser tous les codes d'une marque, en l'occurrence une marque informatique, pour essayer de trouver une autre promesse de marque originale. Et l'exemple d'Apple est très intéressant, et vous allez comprendre le rapport que je veux établir avec l'avocat, c'est que finalement, Apple a compris que acheter un téléphone portable ou acheter un ordinateur, ce n'était pas s'équiper simplement, c'était penser différemment, think different. Pourquoi? Parce que Apple, le premier, a compris qu'en acquérant une marque, on acquiert une dimension statutaire qui vous donne une image dans la société ou dans votre communauté. Pareil avec Orange. Moi, j'ai travaillé sur la stratégie de repositionnement d'Orange après, malheureusement, la série de suicides auxquels Orange a été confrontée. Et on a décidé de promouvoir une signature de marque qui était très audacieuse, qui était « La vie change avec Orange ». La promesse de marque d'Orange, c'était « Orange, en fait, va vous accompagner dans cette nouvelle vie digitale dont vous pouvez craindre finalement qu'elle ne soit pas pour vous, qui est complexe, mais à travers toutes les innovations technologiques et à travers la qualité des services proposés, nous allons être là encore vos médiateurs dans cet univers auquel nous vous invitons. C'est la raison pour laquelle, pour répondre à ta question, je pense que l'avocat, et l'ordre peut y contribuer, doit être ce médiateur qui invite finalement le citoyen à pouvoir entrer dans ce monde de droit dont il se sent peut-être exclu, puisque, soyons clairs, aujourd'hui, les citoyens ressentent davantage un sentiment d'insécurité, insécurité économique, sociale, physique, et que du coup, ils ont besoin de réassurance. Et cette réassurance, c'est le droit qui peut les y amener. Le droit au logement, le droit à la consommation, etc., etc. Donc, je pense que, je suis un peu long, mais l'avocat, effectivement, peut contenir une forme de promesse de marque qui est donc d'amener les gens vers le droit. Alors, est-ce que l'ordre des avocats peut y contribuer? Quand je suis arrivé à l'ordre des avocats, on m'a dit, tu vas voir, l'ordre des avocats, c'est puissant, c'est influent. Donc, je me suis dit, finalement,
Moi, j'avais passé quelques années au MEDEF, enfin, à l'époque, ça s'appelait SNPF. Je me vieillis un peu. Et donc, je me suis dit, finalement, tel qu'on me le présente, l'Ordre des avocats, bah, c'est une marque professionnelle, mais c'est aussi une marque politique. Donc, ça veut dire que l'un dans l'autre, l'Ordre des avocats tire toute sa légitimité de la puissance de sa patrimonialité, son histoire, de son caractère fédérateur, puisque finalement, c'est celui qui, depuis le plus longtemps, représente les avocats dans toutes les sphères de la vie sociale, et puis évidemment, est le plus attractif, preuve étant, peut-être un peu moins maintenant, mais on va s'y atteler, beaucoup d'avocats sont candidats, effectivement, pour intégrer le sacro-saint Conseil de l'Ordre. Et puis, finalement, je me suis dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que l'Ordre des avocats, pour reprendre mon propos du début, est plus qu'une marque institutionnelle? Et en y réfléchissant, avec mes équipes et avec notre conseil, on a finalement défini que l'Ordre des avocats était une marque hybride. C'est une marque institutionnelle, on va dire, attractive, qui... on va dire, voilà, signifie confiance, sécurité, puissance, influence, mais c'est aussi une marque servicielle. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit qu'il fallait, au-delà de la marque mère que représente l'Ordre des avocats, versus déontologie, service de l'exercice professionnel, régulation, on crée en fait des marques filles qui soient des marques davantage tournées vers l'utilité au quotidien dont les avocats ont besoin. Pourquoi ? Parce que le caractère fédératif d'une organisation professionnelle, que ce soit un parti politique, un syndicat, ou une chambre de commerce, ou une organisation, une fédération professionnelle, aujourd'hui, ne vaut que si elle apporte une utilité palpable, concrète, à ceux qui en sont membres. Donc l'Ordre des avocats ne peut pas prétendre rester une marque statutaire comme il l'a été depuis des décennies s'il ne complète pas son architecture de marque, de marques qui sont beaucoup plus ancrées dans la réalité. La réalité, c'est quoi ? Donc c'est effectivement l'utilité que l'Ordre des avocats peut avoir pour les cabinets. Et Laurent, tu es où Laurent ? Tu es là. Le fait avec le baron entrepreneurial, finalement l'Ordre des avocats, à terme, c'est créer, gérer, développer son cabinet grâce au barreau entrepreneurial. On va donc créer une marque entrepreneuriale. Deuxième composante de la marque servicielle que l'on veut instituer au sein de l'Ordre, c'est l'innovation. Comment on fait en sorte que l'Ordre des avocats puisse, et là je me tourne vers Jean-Georges, l'Ordre des avocats puisse accompagner les cabinets d'avocats dans leurs besoins de modernisation et notamment dans les grandes transformations digitales qui vont complètement impacter et puis tant dans leur façon de faire du conseil. Donc, une marque entrepreneuriale, une marque innovation. Mais ça ne suffit pas. Et j'en conclurai là, pour ne pas dépasser, c'est que pour que l'avocat soit reconnu dans la société, au-delà de l'utilité qu'il peut avoir dans le quotidien de chaque Français qui ont cette aspiration au droit, il faut qu'il ait une utilité qui soit sociale. Donc nous avons décidé de créer une marque solidarité. Parce que l'Ordre des avocats, pour être fédératif, il ne veut pas être fédératif uniquement de ces 30 000 avocats qui cotisent chaque année pour avoir une responsabilité civile et pour qu'ils le représentent. Il doit avoir aussi une utilité sociale pour l'ensemble des Français. Je l'ai expliqué tout à l'heure, à travers son rôle de médiateur, mais aussi de par la citoyenneté de ses actions. C'est pourquoi nous avons décidé de mettre en place, en fait, une réflexion, un fil rouge, qui regrouperait toutes les initiatives que nous faisons et qui ne sont pas suffisamment connues et qui, du coup, pourraient contribuer à l'amélioration de l'image de l'avocat, derrière son bureau, gagnant beaucoup d'argent, qui est... le bus de la solidarité, des consultations juridiques chaque semaine, l'accès au droit pour les plus démunis, l'antenne des mineurs, mais aussi, effectivement, avocats en danger et avocats dans la cité.
Donc, l'idée est de regrouper toutes ces initiatives pour leur donner du relief et ainsi montrer que les avocats, au-delà de leur exercice professionnel, sont solidaires des préoccupations des Français. Et c'est là où on reboucle avec ce besoin constant de réassurance que les Français éprouvent dans cet environnement d'insécurité, qui est le besoin de solidarité. Le besoin d'utilité, le besoin de solidarité. Donc, pour finir, puisque la question était « L'avocat est-il une marque ?» Oui, c'est une marque en devenir, si on arrive à prouver qu'il est utile et qu'il est solidaire. Voilà. Alors, tu réponds aussi à la question posée par Dominique Berben d'être trop corporate, en fait, parce que tu es trop tourné vers ses propres problématiques, avec l'idée quand même d'être tourné un peu plus vers le citoyen, parce que c'est ça qui donnera finalement, qui changera l'image un peu compassée de l'avocat telle qu'on a pu la concevoir pendant longtemps. J'ai été conseiller ministériel dans une toute autre sphère, au ministère de la Culture, qui est le ministère de tous les lobbies. Il faut savoir que tout le monde pense qu'au ministère de la Culture, on va de fiesta en fiesta. La réalité, c'est qu'on va de conflits syndicaux en conflits syndicaux entre les intermittents du spectacle, les internautes qui ne veulent pas du droit d'auteur, etc. Bon. Pour répondre à ta question, oui, des avocats utiles et solidaires, mais un ordre des avocats qui doit nécessairement être corporatiste. Mais être corporatiste, c'est comme le mot communautarisme qui est devenu pratiquement une insulte. Moi, je pense qu'il n'y a pas de honte à être corporatiste à partir du moment où la démarche d'une corporation, entre guillemets, est mise au service, je dirais, de l'intérêt général, d'abord de ses membres, mais aussi de l'intérêt supérieur de la société. Honnêtement, en tant que conseiller ministériel, on passait notre temps à évaluer, comme le dit Dominique Berben, à évaluer l'influence et la nocivité possible, le potentiel de nocivité des gens qu'on avait en face de nous. Moi, quand j'avais la CGT Culture ou la coordination des intermittents, j'essayais, tu le sais, puisque à l'époque tu suivais les questions de culture et de médias, je me demandais s'ils allaient, excusez-moi, m'emmerder méchamment. Donc, oui, il faut être corporatiste, oui, il faut être influent, mais il faut l'être intelligemment. Ok. Alors peut-être là, on pourrait donner la parole à la salle qui a peut-être des questions à poser aux intervenants. C'est le cas, oui. Ça dépend de votre question. Vous me le direz à la suite de ma question. C'est pas une question. D'abord, je voudrais tout de même vous faire remarquer, et merci monsieur, à notre ancien ministre, Carnot Dussault, donc, parce qu'il a dit quelque chose qui n'a pas été dit ou pas mis en exergue par ailleurs, c'est la diversité de ces professions d'avocats. Vous avez en fait des avocats d'affaires qui ont déjà leur marque. Donc, moi, en tant que praticien et droit commercial, je veux dire, oui, la marque avocat existe pour les grands cabinets, parce que vous vous référez effectivement à un nom, et vous choisissez souvent, les entreprises choisissent souvent leur avocat en fonction du nom du cabinet. Ils ont raison, parce qu'encore une fois, c'est une marque, la marque Nortonos, la marque Gite, la marque Chanté, etc. C'est très bien ainsi. Et puis, par ailleurs, à mon sens, il y a effectivement une marque qui n'existe pas vraiment, c'est la marque Avocat Citoyen, qui en France est en retard sur les autres pays, tout simplement, parce que la culture française et le passé français fait que l'avocat français est un avocat qui n'est que consulté quand il faut le faire, c'est-à-dire quand on a besoin de divorcer, etc. C'est quelqu'un qu'on n'aime pas vraiment, en fait. À la différence des Américains ou des Anglo-Saxons qui, à chaque fois, quand ils se posent un problème juridique, vont voir un conseil juridique ou un avocat pour un oui ou pour un non en consulte. La France ne fait pas ça et les Français ne le font toujours pas. Donc, je me permets de vous dire que l'image qui est donnée par les sondages de l'avocat est une image qui est biaisée.
parce que c'est une image qui ne se base pas sur les connaissances réelles de la population française de ce que c'est un avocat. Donc, excusez-moi du peu, vos statistiques, moi je m'en moque, hein, ça ne m'intéresse pas. Et je ne vais pas m'orienter en fonction de cela. Et par ailleurs, je considère que nous sommes... Oui, oui, madame, la question est bien. Je considère que nous sommes aussi des commerçants. Donc, nous, pour le moindre, nous avons besoin de manger comme tout le monde. Donc, non, Marc, nous les créons. Donc, dites-moi en même temps, monsieur Richter, ou Richter. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La marque avocat, tant qu'elle est voulue par le Conseil de l'Ordre, n'existe pas encore. C'est ça ma question. Voilà. On va peut-être prendre une autre intervention, puis on va faire la synthèse. Oui, Jacques Huillier, je suis spécialisé justement en matière de marque. Je voulais répondre à M. Perben. Je ne voudrais pas marcher sur les plates-bandes de notre bâtonnier, mais la profession quand même s'est unifiée avec le Conseil national des barreaux. Et de plus en plus, le barreau, les avocats parlent d'une seule et même voix auprès des pouvoirs publics. Reste ça, la conférence des bâtonniers, c'est une vieille institution. Est-ce qu'elle doit perdurer? Est-ce qu'elle doit se dissoudre? Je sais pas trop. Mais, le fait est que le Conseil national des barreaux évolue sous un logo, et un logo qui est éminemment reconnaissable. Alors, on est pratiquement effectivement dans un domaine de marque, de signe distinctif. Le signe distinctif, c'est la caractéristique fondamentale de la marque. Est-ce que la profession d'avocat, globalement, en général, a un signe distinctif, ou faut-il effectivement tenir compte éminemment des spécificités? Maintenant, il faut garder cette unité. Il faut garder cette unité avec un critère: un avocat, c'est d'abord quelqu'un qui défend son client. On revient aux valeurs fondamentales, finalement, de ce que doit être un avocat. D'autres interventions, peut-être, avant de... J'interviens régulièrement sur ces questions au barreau entrepreneurial. Je voulais juste, mais pour les deux tables rondes, on a parlé de l'image que renvoie l'avocat aujourd'hui beaucoup à ses clients, à ses prospects. Ma question, c'est aussi quelle est l'image qu'elle renvoie aux avocats eux-mêmes, et donc la question de la marque employeur de l'avocat, parce que vous aviez dit au début que la profession a augmenté et qu'il y a eu plus de 40%, mais on sait aussi que malheureusement, dans le même temps, on a un quart, alors peut-être c'est positif pour les juristes d'entreprise, mais il y a un quart des avocats qui quittent la profession dans les 10 premières années d'exercice. Donc je pense que, et moi j'en forme beaucoup dans les écoles d'avocats, et notamment, vous disiez à très juste titre que les avocats devraient être sensibles à cette question du numérique. Les jeunes avocats aujourd'hui disent souvent, mais moi si j'avais su tout ça, je ne serais pas venue, j'ai pas fait avocat devant du client. Quand on leur explique ça, souvent on a je ne vais pas me prostituer, et j'utilise ce terme à bon escient, et c'est des jeunes qui disent ce terme, et des jeunes élèves avocats. Donc peut-être quel va être le travail, et je trouverai ça très intéressant d'avoir ensuite aussi l'avis d'un cabinet comme Auguste de Bouzy sur comment il travaille sur cette image de marque employeur avocat. Bon, mais écoutez, c'était pas vraiment des questions, c'était plutôt... Moi, je trouve que ce que vous décrivez là, puis on peut peut-être s'arrêter là-dessus et puis reboucler un peu sur ce que disait Fabienne, c'est que finalement, on est bien sur ce que peut-être aussi je disais au départ, c'est-à-dire une vision un peu artificielle, une vision très romantique de ce qu'est l'avocat, et qui n'est pas forcément une vision, enfin quelque chose de réel, une image réelle. C'est à la fois... Ça peut être à la fois négatif, puisque ça donne effectivement une fausse image, mais en même temps je pense que c'est ce qui permet de maintenir l'attrait de cette profession et de ce qui lui donne une âme peut-être aussi. Un mot, parce que madame tout à l'heure a fait une remarque en disant vous choisissez votre avocat en fonction du nom. Non.
Non. Alors, si vous le savez, c'est formidable. Alors, si vous... Non, mais je m'incline parce que vous le savez. Donc, moi, je ne le sais pas, mais je sais comment on choisit nos avocats. Et ce n'est pas simplement le nom. Et ça rejoint la question de la marque. C'est la question de l'expertise et de l'alignement entre l'expertise qui est proposée et l'identité du cabinet. Et dans un groupe comme le nôtre, on a une, à la fois une grande fidélité à un certain nombre de cabinets, que je ne citerai pas, et en même temps, sur des questions précises, on va pouvoir chercher les expertises qui correspondent à nos besoins. Donc, ce n'est pas simplement un nom, c'est quelque chose de plus complexe, à la fois dans le choix et dans la pérennité de la relation, ce qui renvoie à la question de l'attitude personnelle. Et la dernière chose que je voulais dire, parce qu'on ne l'a pas assez dit, et c'est peut-être un point... C'est un des points qui va questionner la profession d'avocat, mais comme les juristes d'entreprise, en interne. Il y a de plus en plus de moyens d'accéder à de la connaissance juridique sur Internet, via les legal tech. Et donc, les questions qu'on va poser aux avocats, les besoins qu'on va exprimer auprès des avocats vont changer. Et donc, l'une des questions qui va se poser aux avocats, c'est d'être capable d'identifier où se situe la nouvelle valeur ajoutée, parce que les entreprises ne sont plus prêtes à forcément payer des choses qui peuvent être automatisées ou des choses pour lesquelles elles ont l'impression qu'elles peuvent y accéder plus facilement ou à un moindre coût, éventuellement via les legal tech. Et donc, une des questions qui va se poser aux futures générations et aux cabinets d'avocats, c'est comment identifier la valeur ajoutée de mon cabinet, ce qui rejoint la question du territoire de la marque. Et ça, c'est une question éminemment compliquée, et c'est pour ça que je suis désolé d'être un peu bas de plafond, d'avoir qu'une idée à la tête, à la fois en tête, c'est qu'on doit avoir une approche globale entre les avocats et les entreprises, parce que c'est la fusion de ces compréhensions des besoins des uns et des autres qui fera la puissance du territoire, des avocats et du droit, parce qu'effectivement, on est dans une société qui va de plus en plus juridiciser, judiciariser. Et de ce point de vue-là, sur des questions aiguës, et bien y répondre, c'est donner encore plus de puissance au métier d'avocat, qui est un des plus beaux métiers du monde pour l'avoir exercé. Je le confirme, je l'aime. C'est pour ça que je veux des avocats en entreprise. Merci beaucoup pour cette première table ronde. Pablo Claes, vous avez promis un électrochoc. On l'a eu grâce à M. le ministre. Et il fallait effectivement la présence du bâtonnier, peut-être pour répliquer à ce qui a été dit. Je vais vous proposer, Madame le bâtonnier, de vous rejoindre le public avant de demander à la seconde table ronde de se préparer. Merci beaucoup. Mille merci, Laurent. C'est vrai que je remercie aussi tous nos intervenants et puis votre présence nombreuse. Pour ce faire, je remercie clairement Laurence Mama, qui est en charge de Barrette. Et puis, en outre et surtout, le membre du Conseil de l'Ordre, Jean-Georges Bédot, qui est à l'origine de cette conférence que je trouve extra. Enfin, j'avoue que lorsqu'il me l'a proposé en me disant, voilà, faisons quelque chose sur la marque avocat, nous avons tout de suite dit oui, mais ça c'est Jean-Georges Bédot quant à la promotion de l'intérêt de la profession. Alors c'est vrai que, merci à Jacques Liguier pour le coup de s'être fait défenseur de l'ordre. Il est clair que depuis 6 mois, alors c'est récent, d'accord, mais depuis 6 mois, nous parvenons à avoir une seule voix pour la profession, très clairement, Conseil national des barreaux, Conférence des bâtonniers et barreaux de Paris. Nous parlons d'une seule voix, c'est-à-dire que nous nous mettons d'accord avant. Hein. Lorsque nous ne sommes pas d'accord, nous nous mettons autour d'une table et nous en discutons, nous en débattons de façon à adopter une position commune. Et vous avez raison, M. Dominique Perben, et pour l'avoir vécu en son temps, trop longtemps, notre profession a souffert de divergences d'opinion qui faisait que le Conseil national des barreaux disait une chose, le bâtonnier de Paris une autre, le président de la conférence des bâtonniers en disait une autre, et il est clair que tant la chancellerie que le gouvernement se frottaient les mains en disant bah, de toutes les façons, on fera bien ce que nous ferons bien ce que nous voudrons, puisque de toutes les façons, ils ne sont pas d'accord. Ceci est terminé. Voilà. Avec Christiane Ferracciou, Jérôme Gavaudan et moi-même, nos conseils de l'ordre, nos assemblées générales, nous veillons à travailler ensemble
et c'est indispensable pour le coup, pour la marque avocat et le développement de cette marque avocat. Alors, autre point aussi, pardon de mon retard, mais nous avons eu un conseil de l'ordre extrêmement dense, et c'est pour ça que alors je vais ouvrir, je prends le train en cours de route, mais m'a été rapidement exposé les interventions des uns et des autres. Marc Mossé, sachez que, mais je sais que vous le savez, le conseil de l'ordre a voté au barreau de Paris, le conseil de l'ordre de Paris a voté qu'un avocat au barreau de Paris peut être juriste en entreprise dans tous les pays où c'est autorisé. C'est-à-dire que vous pouvez être juriste d'entreprise, je prends n'importe quel exemple, le premier qui me vient à l'esprit, l'IFOP. Vous pouvez être juriste d'entreprise à IFOP Londres, vous pouvez être muté en Espagne et rester juriste d'entreprise et avocat au barreau de Paris, toujours inscrit au barreau de Paris. Vous pouvez également être muté en Allemagne, vous pouvez être muté dans la plupart des pays européens ou dans d'autres pays, mais si vous revenez et que l'IFOP vous nomme à Paris, vous serez obligé de vous faire remettre, chercher l'erreur, et peut-être que nous parviendrons à faire évoluer les choses dans l'intérêt d'une grande profession du droit et de correspondre à des passerelles. Mais ce n'est pas l'objet ce soir, mais simplement je répondais à Marc Mossé. Je pense qu'une chose est indispensable. Paul Rechter vous a exposé notre stratégie en ce qui concerne la marque Ordre des Avocats, mais c'est la marque Avocat tout court qui nous préoccupe, qui est à la fois une excellente marque, et je rentre là, j'étais avec le Premier ministre et la ministre de la Justice en Chine, où nous sommes parfaitement reconnus, et notamment le barreau de Paris, sachez que le bâtonnier de Paris, le barreau de Paris sont très attendus, et la marque, pour le coup, Avocat du barreau de Paris est particulièrement reconnue et demandée, notamment par les avocats chinois, et notamment par les avocats chinois en difficulté. Ceci est une parenthèse pour dire, c'est vrai que nous avons toujours tendance à dire ce qui ne va pas, mais il faut aussi voir ce qui va. Alors, c'est vrai que cette démarche, nous l'entreprenons avec le Conseil de l'Ordre, avec nos conseillers en communication, directeurs de communication, et elle est indispensable. C'est l'avocat dans la cité, c'est la défense des plus démunis, c'est, voilà, tout cela, nous y travaillons. Moi, je souhaiterais attirer votre attention, puisque Jean-Georges Béthaud est en charge des cabinets de croissance de cette association qui est extrêmement dynamique des cabinets de croissance, c'est d'attirer votre attention sur l'importance, effectivement, pour nous, au sein de notre profession, de notre réputation et de notre image de marque. Alors, j'entendais ma consoeur qui, tout à l'heure, disait « Oui, mais la marque, ça ne concerne que les grands cabinets. » Non, de plus en plus, des petites structures, des moyennes structures spécialisées ont acquis cette marque de par leur dénomination, mais d'où aussi un souci qui est de veiller à la dénomination. C'est une réflexion qui m'est totalement personnelle, dont je vous fais part, mais qui est d'assurer la pérennité de nos cabinets de par les dénominations. Je vous donne un exemple. Il est clair que d'avoir une dénomination comme nous l'avions par le passé pour les SCP et nos structures d'exercice exclusivement réservées par un nom d'un avocat exerçant dans la structure était une erreur. Pourquoi ? Parce que lorsque cet avocat décédait ou disparaissait, il y avait des conditions pour pouvoir conserver ce nom. Or, nous devons nous attacher à la pérennité de nos structures d'exercice et cela passe notamment par la dénomination. Cela passe par le développement de notre savoir-faire, de nos compétences et qui permettent très clairement ensuite d'avoir cette réputation qui soit de se dire, bah tiens, tel cabinet spécialisé en pays, en propriété industrielle, en propriété intellectuelle, tel fiscaliste, voilà, et d'avoir les noms et cette marque qui revient et il nous appartient d'y travailler. Alors, à mon sens, il nous appartient d'y travailler d'autant plus que nous sommes actuellement, compte tenu des plateformes qui se multiplient et de l'usage qui est fait de l'annuaire des avocats, donc du nom des avocats et donc de la marque avocat, de veiller au développement de ces plateformes et de veiller à ce que, effectivement, nous n'ayons pas des braconniers du droit tels que nous en voyons, qui utilisent les noms des avocats pour faire appeler des numéros d'appel surtaxés et ensuite utiliser les données personnelles des citoyens, ce qui n'est pas de leur intérêt. Alors, je ne serai pas plus longue parce que je vois que ces débats sont passionnants et que nous avons beaucoup d'intervenants d'une extrême qualité, tels que j'ai pu en entendre en arrivant. Simplement, moi, ce qui me préoccupe, c'est qu'effectivement, nous communiquions sur notre valeur ajoutée,
je suis rejoint totalement la remarque qui a été faite, qui soit de mettre en exergue et de mettre en avant la richesse de la diversité de notre profession, que ce soit tant dans le domaine du contentieux que dans le domaine du conseil, et en cela, avoir des marques qui ne soient pas seulement nationales, mais qui passent au-delà de nos frontières, et de ne pas hésiter à développer des marques internationales. Je vous remercie à tous. Bien, alors, nous allons... Alors, le micro, le tableau. Numéro 2, s'il vous plaît. Pendant ce temps-là, vous pouvez découvrir un spot. Et on parle peut-être... C'est une pastiche. C'est une humoristique. C'est vrai. C'est humoristique. Humoristique. Conscience. Humanité. Bonsoir à tous. Alors pour gagner un peu de temps, je vais faire comme Paul et vous laisser découvrir le nom des intervenants de la table ronde sur le panneau derrière. Donc les jalons de notre sujet ont déjà été posés, donc on va pouvoir rentrer directement dans le vif du sujet. Alors Mastir et Tavi, vous avez déjà été d'ailleurs interpellés par la salle. Vous dirigez une des plus belles marques françaises de cabinet d'avocats, Auguste Debouzy. Donc au départ, c'était un cabinet fortement marqué par ses fondateurs, mais qui a su évoluer pour devenir une marque à part entière. Est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur la création de cette marque et la façon dont elle a évolué ces dernières années ? Bonjour à tous et merci Laurence. Je crois que si on ne réécrit pas l'histoire et qu'on est, très, très, très honnête finalement avec le parcours de notre maison, au départ, il n'y avait pas d'idée de créer une marque. Au départ, il y avait deux fondateurs, cinq collaborateurs, et qui s'étaient dit, on va créer une entreprise du droit. Une entreprise du droit dans laquelle on va être au service de l'entreprise. Et ce n'est qu'avec le temps, ce n'est qu'avec des années de travail, d'énergie, de concentration, qu'à un moment, je pense que nous nous sommes rendus compte que nous étions devenus une marque. Et c'est finalement cette envie en fait, de créer cette entreprise du droit qui était très différente pour, pour ce marché en fait, à l'époque, parce que l'idée c'était de pouvoir réunir des gens qui ont du talent, qui voient les choses différemment, qui ont le sens du service, qui ne vont pas être qu'une réunion d'avocats avec des parcours juridiques. Il y avait des financiers, il y avait des économistes, il y avait des scientifiques, il y avait des gens qui avaient eu un parcours public. Bref, c'était la réunion de toutes ces personnes qui avaient vocation à porter un service un peu différent, un peu innovant à ce marché et qui, en fait, on peut dire, éclatait les fondateurs de cette maison. Et quand on regarde l'histoire 23 ans plus tard, c'est vrai que l'on constate, et je suis très touchée que vous disiez ça aujourd'hui, nous sommes devenus une marque. Et encore une fois, si on ne réécrit pas l'histoire, je pense que nous avons pris conscience que nous devenions une marque après 8 ans, 10 ans. Et c'est vrai que là, nous nous sommes vraiment concentrés sur le fait que... Ça fait des drôles de bruit. qu'à un moment, nous nous sommes mis à travailler l'idée que nous étions une marque et comment on pouvait pérenniser cette marque et finalement devenir un univers qui allait attirer des talents, demeurer dans le temps, et puis surtout évoluer. Parce que la grande idée de tout cela, c'est que finalement on a 23 ans d'existence, nous ne sommes pas le cabinet que nous étions il y a 23 ans, dans 10 ans nous ne serons pas ce que nous sommes aujourd'hui, et nous devons d'évoluer en fait en permanence avec d'une part l'aspiration de nos confrères, des jeunes, des moins jeunes, et aussi surtout, comme l'évoquait Marc Mossé tout à l'heure, l'aspiration et le besoin des entreprises, puisqu'aujourd'hui, nous, notre cible, ce sont les entreprises. Alors, quand on part de zéro et qu'on veut se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, qu'on veut créer sa marque, de quels moyens est-ce qu'on a besoin, a-t-on besoin ? Tout d'abord, est-ce qu'il est nécessaire de se faire accompagner ? David Guiche.
Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Je pense que ce que a dit Masti est très intéressant, parce que au-delà de parler, avant de parler d'une marque, tu parlais d'un projet. Et je crois que la marque finalement illustre un projet d'entreprise, puisque là on parle de plus en plus d'avocats entrepreneurs, la think tank qui est animée par Jean Béteau, finalement, et celle-là, on a une évolution de la profession, qui est une profession très individualiste, avec des personnalités, des réputés de personnes très fortes, et qui passe finalement aujourd'hui, que ce soit des petites structures ou des grosses structures, et aujourd'hui, ce sont des entreprises de gens qui font du droit et qui accompagnent soit des particuliers, soit des entreprises. Donc ça, c'est la première chose, et la marque, pour moi en tout cas, illustre quelque part un projet d'entreprise, et qui permet d'être non seulement un porte-étendard pour conquérir des marchés à l'extérieur, mais aussi un porte-étendard pour les gens qui participent à ce projet d'entreprise. C'est fondamental, et je pense qu'aujourd'hui, chez Auguste Bouzy ou dans d'autres cabinets, il y a une espèce de fierté d'appartenir à cette entreprise, et qui se traduit par un flag, un drapeau qui est cette marque. Alors la question, est-ce qu'il faut être accompagné? Je dirais que ça dépend beaucoup des gens qui composent ces cabinets. Si les gens ont, que ce soit des petites ou des grandes structures, ont un projet très clair d'entreprise avec un positionnement, qui connaissent leur marché, qui connaissent leurs concurrents, qui connaissent leurs prospects, qui ont des envies, des spécificités, une différence, ils n'ont pas besoin d'être accompagnés. En revanche, s'ils sont le nez dans le guidon, et c'est difficile, effectivement, d'être en même temps avocat et communicant, avocat et marketeur, c'est compliqué, vous avez besoin peut-être de se faire accompagner. En tout cas, la question qu'il faut se poser, nous on travaille beaucoup pour des marques internationales, des marques de luxe, ou des marques plutôt de grande consommation et un peu plus maintenant de corporate, c'est avant de commencer à se poser la question de la marque, c'est qu'est-ce que moi je vais apporter seul ou avec mon groupe de différent dans le paysage. Et tant qu'on n'a pas répondu à cette question, on ne peut pas passer à la question d'après, c'est qu'est-ce que c'est que mon projet et comment je vais l'incarner par les marques. Donc ça, c'est pour moi, c'est fondamental. C'est qu'est-ce que je vais apporter dans le paysage, que je sois petit, grand, moyen, peu importe. Et qu'est-ce que je vais apporter de plus. Et ça, c'est parce que la marque, finalement, à quoi ça sert? Ça sert à se faire remarquer et à se démarquer. Et donc, il faut apporter quelque chose de différent. Et ça, c'est très important. Donc c'est l'illustration d'un projet. Justement, sur ce sujet, quel conseil vous donneriez à un cabinet pour définir son positionnement? Déjà, il y a une compétence, clairement. C'est connaître sur quoi je suis compétent ou le meilleur. Si je ne suis pas le meilleur, comment je deviens le meilleur? Ça, c'est une vraie question. Donc, c'est une remise en question. En sachant que l'expertise technique ne suffit plus aujourd'hui. Absolument. L'expertise technique ne suffit pas. Il faut se faire identifier. Il faut avoir des méthodes de communication, c'est-à-dire peut-être écrire, faire des conférences. Je suis beaucoup la communication de l'Auguste Bouzy. Je suis absolument stupéfait de la rigueur. Je reçois toutes les semaines une invitation à un colloque, à une formation. Donc c'est se faire connaître et pas vendre obligatoirement une prestation de service, mais en tout cas vendre de la connaissance et un petit peu décaler. Moi, en tant qu'agence, par exemple, on fait souvent des petits déjeuners. On ne parle jamais d'agence, on parle de problématiques. Donc, voilà, les marchés de demain, la digitalisation, la fin du retail. Enfin, on parle de problématiques et ce qui fait qu'on arrive à se différencier et à exister dans un paysage qui est souvent celui du MeToo. L'exemple de Paul Rechter tout à l'heure sur l'histoire d'Apple, c'est ça, c'est qu'ils ont pris le problème à l'envers. Ils n'ont pas vendu un ordinateur, ils ont vendu une solution. Donc c'est toutes ces questions qu'il faut poser. Donc c'est un vrai projet d'entreprise qu'on puisse faire soit seul, soit accompagné. En tout cas, il faut se poser des questions fondamentales. C'est qu'est-ce que je vais apporter demain dans mon métier avec ma pratique. Et j'ai donc quel public je vais viser et rencontrer et conquérir. Donc, alors à ma droite, on a justement trois avocats entrepreneurs. Donc, vous pouvez peut-être partager avec la salle votre expérience de vos débuts. Est-ce que vous vous êtes fait accompagner, pas accompagner? Quel était votre projet au départ? On s'est pas fait accompagner. Je pense que ce que dit David Mitich est fondamental. Avant d'avoir une marque, il faut avoir un produit. Les marques, elles sont belles que parce qu'elles véhiculent quelque chose qui est beau. Et donc, nous, on a
pas voulu se faire accompagner. On s'est dit qu'on allait d'abord travailler sur définir qui on était, ce qu'on voulait faire et quelles étaient nos spécificités avant de réfléchir à une marque. Il se trouve ensuite que moi j'étais, lorsque je me suis installé, j'avais pas 40 ans et que je considérais que le fait d'être reconnu par mes pères, on prétend pas du tout être reconnu au-delà de nos pères, mais déjà être reconnu par ses pères, c'est pas mal. Être reconnu par mes pères, pour moi, ça nécessitait d'avoir nos noms dans le nom du cabinet. Et donc, on s'est dit que l'actif principal de la structure et du produit, on fait essentiellement des dossiers de contentieux sensibles, de contentieux de concurrence, antitrust, de contentieux pénal, de contentieux de haut de bilan, d'actionnaire. Et donc, on s'est dit que notre plus grand actif, c'était les hommes et les femmes qui composaient le cabinet, et que donc notre produit, il devait porter notre nom, parce qu'on a commencé à réfléchir à quelque chose qui pouvait avoir du caractère et de la combativité. Et on s'est dit, au fond, efforçons-nous nous-mêmes d'être à l'image du produit qu'on propose. Voilà, on ne s'est pas fait accompagner, on s'est dit que en fait, l'intendant suivrait que le produit était le plus important. Le produit, c'est pas un peu moche de parler comme ça, mais en tout cas, le service apporté au client était le plus important. Delphine Millet. Alors, bonsoir à tous. Alors, merci de m'avoir invité parce que je suis l'outsider dans cet univers. Depuis tout à l'heure, je n'entends que des on, et moi, je dirais je. C'est-à-dire que je suis seule, j'ai fondé mon cabinet il y a 6 ans. Je suis une toute petite structure comme il y en a beaucoup au barreau de Paris, mais ce n'est pas ce qu'on a entendu ici. J'ai un collaborateur, une armée de stagiaires, et je tourne comme ça. Il se trouve que je me suis dit que avocat associé au collaborateur, il y a une égalité, c'est-à-dire qu'on s'appelle tous maîtres, d'ailleurs pour nos femmes, et qu'on peut tous aller plaider et prendre des dossiers, assurer des défenses individuellement, donc on soit associé ou collaborateur. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que je me suis dit, c'est qu'on n'a pas besoin d'appartenir à une grande structure pour être bon. Et ça, je l'ai appris dans ma vie professionnelle, parce qu'avant d'être avocat, j'étais attaché parlementaire, donc toute petite structure, petit député si j'ose dire. Et donc là, j'ai appris, j'ai eu la chance de travailler avec des bons, des grands. Et ensuite, je suis devenue avocat et j'ai travaillé également encore avec des bons et des grands, qui étaient Michel Zaoui et Patrick Maisonneuve, et qui étaient également des individualités. Donc, des cabinets où on était 2-3, et pourtant, on gérait de très gros dossiers. Et donc, j'étais collaboratrice et j'ai appris comme ça. Et il se trouve que je me suis dit, qu'est-ce que j'aime faire, moi ? Parce que je me suis autorisée à faire ce que j'aimais. Et j'avais appris le droit de la presse, et le droit pénal, le droit de la presse chez Michel Zaoui et le droit pénal chez Maisonneuve. Et je me suis dit, bien, je vais faire ça, puisqu'ils sont capables de le faire, je vais le faire moi-même. Mais avec mes petits moyens. Alors moi, je ne suis pas Auguste et Debussy, je n'ai pas recours à vos agences, mais je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire, moi, toute seule ? Vraiment l'entrepreneuriat au sens propre. Et j'ai donc créé un site internet, il y a 6 ans, que j'ai investi, que j'ai nourri, que j'ai bien organisé. Et j'ai écrit des articles aussi sur des sujets qui m'intéressaient. J'ai écrit des articles sur le blog du Monde, sur des sujets qui m'intéressaient. Je les envoyais aux journalistes et il se trouve qu'ils les publiaient. Et donc, ça, c'était déjà un début de micro-notoriété sur des petits sujets. Et j'ai eu la chance de rencontrer une journaliste qui créait le site internet du Parisien, donc c'était il y a quelques années, et elle m'a proposé de faire des vidéos d'1 minute 30 pour vulgariser le droit. Et lors de la table ronde précédente, j'entendais que 3 Français sur 4 se plaignaient du fait de ne pas comprendre le droit, et c'est très juste, puisque je me rends compte de l'utilité de mon intervention ou d'autres interventions de gens qui font exactement la même chose que moi, mais on a besoin de vulgariser les choses, autant en matière juridique que judiciaire, pour expliquer les décisions judiciaires. Donc, avec mes petits moyens, j'ai donc créé mon site et les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est gratuit. Facebook, Instagram, absolument tout, LinkedIn. Et là, je poste, et je poste autant que je peux, que ce soit des articles, que ce soit des vidéos. Et ça nourrit, si vous voulez, la réputation. Alors, de là à dire que je suis une marque, je finis par le croire puisqu'on m'a invité aujourd'hui et j'en suis ravie. Je ne le savais pas jusqu'à aujourd'hui, mais finalement, il y a un peu de ça. C'est-à-dire que je me suis fabriquée toute seule
dans des domaines de compétences bien précis, où j'ai eu une forme d'expertise maintenant. Et voilà, c'est comme ça que j'ai été identifiée, et identifiée par les clients, mais pas seulement, par les journalistes également, et par le législateur, puisque je suis auditionnée régulièrement sur des sujets sur lesquels je suis intervenue, autant en qualité d'avocat que en qualité de commentatrice de décisions judiciaires ou autres. Voilà. Alors, Éric Després, vous avez... Alors, votre expérience est d'autant plus intéressante que vous avez testé les deux dénominations possibles, celle avec les patronymes et le nom de Fantasy. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu pour quelles raisons vous avez décidé de changer ? Oui, oui, bien sûr. Mais, bonsoir à tous. Effectivement, au départ, on part juste avec l'envie. Nous, on n'a pas, mon associé et moi de l'époque, on n'avait pas grand-chose puisqu'on avait envie de créer un cabinet, mais on avait pour parler à certains. Qui sont pour autant des entrepreneurs, mais nous on n'avait pas cette historique-là. En revanche, on avait envie de créer un modèle sur la base de ce que nos aînés nous ont appris, nous ont transmis, qui est cet esprit d'entreprise. La question du nom, c'est pas vraiment posée dans un premier temps, parce qu'on s'est dit que précisément on voulait créer une marque. On était deux, on voulait créer une marque, on avait deux patronymes, on les a collés, on n'a pas mis le « et ». En fait, on a fait Auguste Debouzy, avant même d'avoir passé 20 ans à créer la marque et l'esprit de la marque. Donc on a pris le problème à l'envers, on s'est projeté 20 ans plus tard. Ça a vécu 2 ans et demi. Et au bout de 2 ans et demi, on s'est rendu à une réalité qui est celle qu'effectivement une marque, ça prend énormément de temps à être créée et à exister. Et puis au fond, en réalité, une marque, normalement, ça doit survivre à ses fondateurs. C'est l'exemple des Américains, on en a pas mal parlé tout à l'heure. Les Américains ont une marque, ce sont des gens qui sont décédés depuis plus de 100 ans. Pour autant, les cabinets continuent d'exister, alors que nous, nos plus grands avocats sont décédés et leurs cabinets ont explosé avec. Du coup, ça pose la question véritablement, est-ce que De Thomas survivra à De Thomas ? Hein, si je peux me permettre, ton cabinet, de manière générale. Je le sais pas, je te le souhaite. Je sais que c'est ton ambition. Moi, j'ai, du coup, à travers ce mini-traumatisme, puisqu'on en a quand même on y a survécu, c'était qu'un événement un peu douloureux à passer, comme toute séparation, mais on a repris le taureau par les cornes. La question s'est posée ensuite quand on s'est associé de nouveau avec. Pour le coup, des gens avec lesquels on avait une histoire commune de collaboration passée, de savoir si on remettait nos noms les uns à côté des autres, ou si effectivement, finalement, comme l'a dit Madame Le Vatonnet tout à l'heure, hein, je ne sais pas si elle a voulu discriminer le cabinet de ceux d'entre nous qui sont attachés au patronyme dans la raison sociale, mais effectivement, il y a de plus en plus de cabinets aujourd'hui qui se créent sur un nom fantasy pour précisément dépassionner le débat. Ou, comme c'était parfois le cas, notamment chez moi, quand mon cabinet ne s'est plus appelé que Després Associés le temps d'une transition, certains de nos clients pensaient même que mes associés étaient peut-être mes collaborateurs. Et c'était aussi très pénible ce sentiment-là. Donc quand on a décidé de mettre la chose à plat, on s'est dit, bon, un nom fantasy, pourquoi pas. Et finalement, qu'est-ce qui compte pour nous, ce sont les transmissions de valeurs. En fait, c'est transmettre. On parlait tout à l'heure aussi de la marque employeur. J'entendais ça tout à l'heure. Effectivement, c'est quelque chose de fondamental pour moi. Qu'est-ce que c'est que la marque ? Pour moi, la marque de l'avocat, c'est, et je pense que c'est commun à nous tous ici, hein, c'est d'abord transmettre. Et la transmission, elle passe par les stagiaires. Vous en parliez, on a tous, et effectivement la base de notre métier, elle est là. L'apprentissage, elle commence au stage, et la connaissance d'une marque, en tout cas la notoriété des avocats qui composent une marque, qu'elle soit patronymique ou qu'elle soit fantaisiste, si on peut parler de ce mot, ou de fantaisie exactement, eh bien finalement elle passe par l'appréciation que porte nos collaborateurs, que portent nos stagiaires, que portent nos confrères,
et que portent nos clients sur notre travail et notre, nos valeurs fondamentales. Alors c'est pour ça que je pense fondamentalement que le nom, en fait, peu importe. Ce sont ceux qui constituent les cabinets dans lesquels on exerce et les valeurs qui les animent, qui en réalité donnent une connotation plutôt qu'une autre à la marque qui y est associée, quand on veut l'appeler marque. Voilà. Alors, dans votre nom, il y a quand même une particularité sur laquelle on est obligé de vous interroger, c'est que c'est en écriture inclusive. Donc, qu'est-ce que ça veut dire vis-à-vis des clients et en tant que marque employeur aussi. Alors, on a fait effectivement ce choix de vous appeler Nerio Avocat avec le .e.s, qui est la marque de l'écriture inclusive, dont l'Académie française nous a dit que c'était une hérésie, hein, quelques semaines après qu'on ait décidé de la valiser et de déposer la marque de coquetterie. On a quand même effectivement déposé la marque à l'INPI dans la crainte de la pique, mais je pense que ça n'arrivera jamais, mais c'est pas grave, c'est fait, c'est valorisé. Ça nous a donné en tout cas le sentiment d'avoir effectivement créé quelque chose. Non, on l'a fait parce qu'on veut effectivement transmettre ici l'idée que dans notre cabinet, et à l'impulsion de mon associé Marine Duponchel, qui est particulièrement impliquée dans cette idée d'égalité femmes-hommes, que notre cabinet est un cabinet qui a vocation à donner toute sa place aux avocats, qu'ils soient hommes ou femmes. Nous ne sommes pas à parité aujourd'hui. Nous l'avons été dans le passé, mais nous avons même été majoritairement dans l'association féminine ou féminin. Mais c'est plus le cas aujourd'hui. Simplement, la particularité ici, c'est d'effectivement dire au marché que c'est un point important pour nous. Alors après, j'ai souvent entendu, même en tant que collaborateur, qu'aujourd'hui, finalement, certains grands clients attachaient beaucoup d'importance à compétences égales à la représentation des femmes au sein de l'association. Je ne sais pas si c'était juste un vœu pieux ou une réalité. J'ai par ailleurs exercé dans d'autres cabinets où il y avait une femme, voire pas de femme, ça ne les empêche pas d'exister très bien et de pouvoir effectivement dire que leur marque est puissante. Donc je ne sais pas ce que ça vaut de dire que la femme, ou en tout cas marketer la place d'une femme dans un cabinet, j'en sais rien. Ce que ça vaut chez les clients, je ne peux même pas vous le dire. Pour vous donner l'anecdote, j'ai même certains de mes clients, quand ils ont vu le nom qui a changé, ils ont dit « Nerio Avocates, c'est quoi ?» C'est ça, c'est un pas une antenne encore au Portugal. Bon, ça me... On a créé un réseau d'avocats outre-mer pour des raisons très éminemment liées à notre activité. Mais voilà, ça a un peu ruiné tout le monde. On s'est dit, ok, en fait, c'est un effort finalement assez lent. D'accord. Alors, au-delà du nom, dans la marque, il y a aussi des éléments graphiques. Qu'est-ce qu'ils disent de la marque ? Les éléments graphiques, c'est pour comprendre ce que vous disiez il y a un instant. Là, c'est vrai que entre un nom, un avocat patronyme ou un nom dit de fantaisie ou de création, peu importe. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une adéquation entre le projet, les valeurs et les valeurs externes qu'on veut externaliser. Et d'ailleurs, toute la symbolique graphique est la même. C'est-à-dire qu'on va apprendre en fonction du nom, on va tout choisir une typographie, peut-être un symbole associé, peut-être une baseline pour spécifier la pratique ou le domaine d'activité. Et tout ça doit être en cohérence. C'est-à-dire que le problème de la marque, si vous voulez, c'est que c'est pas... à la limite, c'est ce qui est assez drôle d'ailleurs, ce que disait Masti, c'est que c'est le résultat d'une somme de choses. Donc c'est la définition d'un projet, c'est inadéquat, c'est une pratique, c'est une spécificité, c'est une alchimie entre toute une série de signes qu'on veut donner aussi bien à ses collaborateurs pour les faire adhérer à un projet qu'à des signes qu'on va donner à ses clients et à un marché. Donc
en fonction de son positionnement. Chez un cabinet d'affaires, je vais peut-être plutôt choisir une typographie plus statutaire qu'une anglaise, bas de casse, qui va être dans la proximité. Je vais choisir plutôt si je fais du droit à la famille. Si je suis plutôt, j'ai un marché qui est orienté vers finance banque, je vais avoir effectivement encore une typographie un peu différente, des codes couleurs différents. Si je suis dans le numérique, je vais avoir une typographie qui va illustrer mon numérique. Donc ça dépend beaucoup de son positionnement. Donc, tout ça, ça dépend encore une fois de la stratégie du cabinet, où là où je veux aller, où là où je suis, où je veux aller, où je serai là dans quelques années. Donc c'est une vision. Et aussi, c'est de la création de valeur. C'est-à-dire que là où je pense que c'est important d'avoir une marque forte et qui est un résultat, c'est comment, au-delà des fondateurs, je vais pouvoir la transmettre. Comment faire adhérer, quand je fais un recrutement par exemple, la marque employeur, c'est fondamental. Qu'est-ce qui va attirer un jeune collaborateur, un jeune avocat à venir en cabinet? Ça va être une perception de sérieux, une perception qui va dire, ce cabinet-là est plutôt orienté sur tel marché, telle structure. Donc tout ça, c'est des signes, mais qu'on définit ensemble avec effectivement les fondateurs du cabinet. Donc il n'y a pas une réponse, il y a des milliers de réponses. Et donc on peut être sur une typographie qui va dire une chose, une couleur qui va dire une chose, consciente ou inconsciente. Alors aujourd'hui, il y a le j'aime pas, hein, clairement, ça, on l'a rencontré plein de fois, mais ce qui est la bonne identité, c'est celle qui va vraiment illustrer les valeurs de l'entreprise et qui va véhiculer un message. Ça va véhiculer de sérieux, d'innovation, de réassurance, d'audace, enfin, ça dépend vraiment de la stratégie. Donc il n'y a pas une réponse, il y a des milliers de réponses. Alors ce qui est intéressant, c'est que nous, aujourd'hui, on travaille avec l'université de sociologie de Louvain, et il y a une nouvelle discipline qui s'appelle le neuromarketing ou les neurosciences. Et on s'aperçoit qu'au-delà du « j'aime pas » ou même par rapport à une stratégie définie de communication qui va être traduite, illustrée par des signes, il se trouve qu'effectivement, on a des comportements inconscients qui sont le résultat de telle ou telle perception d'une couleur ou d'un graphisme ou d'une image. Donc il y a énormément de choses, donc il y a un substrat scientifique qui permet aussi de véhiculer des valeurs ou de trouver le bon lien émotionnel avec sa cible. Par exemple, c'est totalement scientifique, si la salle était toute rouge, on peut mesurer que toutes les pulsations cardiaques de tout le monde ici ont augmenté, de façon totalement inconsciente. Donc le rouge véhicule un certain nombre de choses. Donc ça, c'est... C'est-à-dire qu'on commence aussi à professionnaliser au-delà des stratégies de communication à travers un substrat qui s'appelle les neurosciences, quelles sont les perceptions conscientes ou inconscientes, et surtout inconscientes, les signes qu'on émet. Ça va jusqu'à la voix, la réponse à un message téléphonique, vous parliez des stratégies sur les réseaux sociaux, pareil, où je vais mettre l'image, sur mon site, où je vais mettre le bouton. Enfin, on peut pousser très très loin la connaissance d'utilisation des signes. D'accord. Donc, il y a des milliers de réponses. Parce que c'est des réponses sur mesure. Ce qui est là, d'ailleurs, la marque, quand on réfléchit, finalement, c'est quoi? C'est votre nom. Votre nom, vous avez une personnalité, vous avez un style, et c'est ça, finalement, une marque. C'est rien d'autre. Hein. Alors, appliqué à un groupe et à une organisation. Alors, justement, dans le cabinet d'avocat, la marque, ce sont aussi des hommes et des femmes. Donc, Maesti, quelle est la part de personnalisation, en fait, et de collectif dans la marque? Elle est totale. Elle est et c'est un doux mélange et qui est un sujet, je trouve, qui est très difficile de catégoriser. Je m'explique. Une marque, ou en tout cas une structure, un cabinet d'avocats, sans les gens qui la composent, quel que soit leur âge, leur expérience, leur profil, leur métier, leur expérience, leur expertise, etc., n'a aucun sens. Et ce sont ces gens, ce sont ces personnes qui constitue finalement la marque. En même temps, nous sommes tous à la recherche de l'existence et de la création d'une marque. Donc, c'est l'adéquation entre les profils des uns et des autres que l'on va essayer de mettre en musique avec l'idée qu'on se fait de cette marque. Et finalement, au bout d'un moment, je vous avoue que je ne sais pas si c'est la marque qui nourrit les gens ou si c'est les gens qui nourrissent la marque, mais en tout cas, je suis convaincue que l'on peut créer un cercle vertueux entre les individus et l'entreprise, et la marque. Et je reviens un instant sur ce que disait notamment Marc Mosset tout à l'heure.
La marque, elle est importante pour, finalement, si on revient, vous vous souvenez de cette publicité d'IBM, si je choisis IBM, forcément, je ne fais pas d'erreur. Mais à un moment donné, dans une structure, on se rend compte que l'individu personnel, donc la relation de confiance avec des individus, avec des associés, avec des collaborateurs, y compris des jeunes stagiaires, elle va être l'élément, ça va être l'élément qui va vraiment permettre de basculer dans un sens ou dans l'autre. Donc en d'autres termes, à mon sens, annihiler la présence des uns et des autres par l'existence d'une marque forte et exclusivement d'une marque n'est pas nécessairement un projet d'avenir intéressant. Et finalement, ne tourner autour que des individus sans que l'on ait une enveloppe corporelle quelque part globale dans laquelle on va véhiculer des valeurs, une qualité, un projet et tous ces éléments qui vont être dans l'impalpable n'est pas non plus une bonne chose. Donc c'est comment on arrive à donner sa place à chacun tout en donnant et en laissant la place à la marque. Parce que forcément, la pérennité de la marque va dépendre aussi du fait de sa force et de son détachement par rapport aux personnes, mais en même temps nous ne sommes rien d'autre que dans l'exercice de notre métier que des hommes, des femmes, avec une vision, avec une stratégie, et c'est pas une marque qui établit la stratégie, c'est pas la marque qui établit une tactique, ce sont des gens avec leur parcours, leur richesse, leur manière de voir les choses. Donc cette approche-là, elle est importante. Et après je reviendrai sur ce que vous disiez tout à l'heure, Charlotte, c'est qu'aujourd'hui il ne faut pas non plus que l'on s'éloigne des aspirations de nos jeunes confrères. Et finalement, on est aussi un peu plus éloigné 24-24, on avait envie, on avait ce débordement d'énergie qui était finalement lié à une structure, c'était des rencontres. Et aujourd'hui, nos jeunes réfléchissent peut-être un peu différemment et ils ont envie d'exister, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas de différence entre un associé, un collaborateur, un stagiaire, ils ont chacun leur rôle et c'est à nous de nous assurer que ces structures, même avec des marques fortes, arrivent à laisser la place et donner du rêve et de l'autonomie, de l'indépendance à tous ces jeunes gens qui vont arriver, qui vont permettre de faire en sorte qu'on aura ce cercle vertueux essentiel avec des gens de talent qu'on va aider à grandir, qui vont être les associés de demain, qui vont être les interlocuteurs de nos clients et qui vont faire qu'à leur tour, ils s'adapteront aux besoins de leur propre génération dans 10 ans, dans 20 ans, dans 15 ans, qui ne seront pas les mêmes que les leurs. Et donc c'est, nous avons, je pense, besoin des deux. Et comment on arrive à créer cette alchimie entre les deux, je pense que ça va être la magie de chacun, la perception de chacun, là où est-ce qu'on a envie de se renforcer, qui sont nos concurrents, qui sont nos cibles. Mais je pense qu'on ne peut pas se détacher de l'un de l'autre. Et en tout cas, ce serait bien plus. Je veux juste rajouter quelque chose là-dessus. On parle de la marque tournée vers les clients, mais c'est vrai, la marque, elle doit être nécessairement tournée pour le recrutement. C'est vrai particulièrement pour les cabinets un peu entrepreneuriaux comme nous, qui ne sommes pas les destinataires naturels des plus beaux CV. Or, chercher tous les clients de la Terre, c'est très bien, mais si vous n'avez pas les talents pour les servir, vous n'allez nulle part. Et donc, la marque, elle doit être évidemment le reflet de ce que vous êtes et de ce que vous présentez aux clients, mais elle doit surtout être le reflet du projet que vous offrez au talent pour vous rejoindre. Parce que, encore une fois, servir des clients sans talent, c'est absolument impossible. Et donc, elle doit vraiment être envisagée sous ces deux angles-là. Et donc, c'est exactement ça, c'est la nourriture de la marque par l'homme et de l'homme par l'homme. Alors, on avait plein d'autres sujets à aborder, mais Jean-Jean m'a fait signe qu'on était pris par le temps, donc on va peut-être prendre quelques questions de la salle. Genre zéro. Et en plus, il n'y a pas de questions. Je vais vite. J'ai saisi il y a quelques semaines l'occasion procurée par un arrêt de la Cour de cassation qui, au lieu de parler de l'avocat d'une partie, parle de son conseil. Et j'ai simplement dit que je fais une affirmation et ça va donner lieu à une question. Mon affirmation c'est il est aussi facile de se faire appeler avocat que de se faire appeler conseil, et est-ce que notre profession ne devrait pas faire à chacun de ses membres l'obligation de se faire appeler avocat plutôt que conseil qui banalise? Je ne sais pas qui veut répondre sur la question, qui d'ailleurs correspondait plus qu'à la table ronde précédente. Mais c'est tout à fait vrai, ça correspondait plus à la table précédente. Du coup, c'est une question piège.
Non, pas du tout, puisque Nadia Tenir a parlé très justement de la marque avocat et la marque des cabinets. Mais alors, elle nous a abandonnés, elle n'est plus là pour vous répondre. Mais je suis sûr qu'il y a dans ces tables rondes des gens qui répondront très bien. Alors, on va revenir à plusieurs questions. Bonsoir, Yves Sylvestre. Je voudrais répondre à mon confrère, oui, effectivement. Merci. Le cabinet Sylvestre et Associés, c'est Sylvestre et Associés, avocat en droit fiscal, où là, clairement, il faut afficher une baseline. Ouais. Mais... Bien. D'autres questions ? On va redistribuer la parole. Ariane Bénin, société A7 avocat. Moi, j'aimerais signaler quand même que l'ordre a mis 6 mois à accepter ma dénomination. Alors, est-ce qu'il y a d'autres réclamations? Parce que je vais les prendre. Quelqu'un a perdu son cartable. Merci de Vali, tout jeune avocat au bord de Paris. J'aurais une question qui s'adresse particulièrement à Delphine Meillet et Massira Davy. C'est celle de, pour un jeune avocat aujourd'hui, être compétent et construire sa marque, n'est-ce pas seulement être compétent, mais également communiquer sur le fait d'être compétent? Je pense qu'aujourd'hui on ne peut pas se passer de communication. C'est-à-dire que vous allez vous installer dans un endroit X dans Paris, si vous ne communiquez pas, qui va savoir que vous existez? Nécessairement, quand vous êtes seul ou si peu nombreux comme moi, il faut trouver des moyens d'exister. Moi, j'ai trouvé celui des réseaux sociaux et notamment des vidéos, des articles. Maintenant, je pense que c'est à chacun d'inventer sa manière d'exister. Et on a la chance d'être une profession libérale, donc libre, et libre de l'organiser comme on veut, où on veut, quand on veut, et comme on veut. La communication, je pense que vous ne pouvez pas vous en passer. Maintenant, allez rédiger dans, je ne sais pas, vous êtes, la Gazette du Palais, un article, ça peut vous faire connaître auprès de directeurs juridiques, par exemple. Rédiger un article dans Le Monde, ça peut vous faire connaître auprès d'un certain type de public, et ainsi de suite. C'est comme ça, je pense, qu'il faut raisonner. Et en tout cas, vous ne pouvez pas vous passer de communication. Est-ce que, chers amis, je vous propose quand même qu'on en vienne à ma synthèse, parce que je voulais tenir, tenir la promesse. On va remercier déjà Laurence Garnery. Merci Laurence Garnery. Non, mais je pense que tout le monde tient quand même à avoir un bon équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Donc, il faut rentrer chez nous. Je pense qu'on peut, déjà s'interroger sur le point de savoir si aujourd'hui, en parlant de la marque avocat, on se comporte comme des marchands. Parce que dans les 65 000 avocats, il y a un certain nombre de confrères qui considèrent que le sujet que nous abordons aujourd'hui, en soi, est déjà impropre. Et on voit des marchands du droit, on voit même, moi j'appelle ça, la bâtonnière, la patronne appelle ça les braconniers, moi j'appelle ça les thénardiers du droit. Pourquoi est-ce que c'est les thénardiers? Parce qu'en réalité, c'est souvent comme business model de ubériser les avocats, c'est-à-dire de faire travailler des avocats pas chers et d'empocher le profit parce qu'il est facturé différemment au client. Et je pense que non, et on l'a montré aujourd'hui, les gens qui sont ici, sont pas des fous d'argent. Je pense qu'ils sont des avocats très convenables. Et ça, c'est pas un vilain mot. Je pense qu'on ne se trahit pas en se considérant entrepreneur du droit. Et l'entrepreneur du droit, c'est foncièrement un libéral. Et si Marc Mossé était resté là, je lui dirais que je ne pense pas que l'avocat doit être le business partner de son client. Pas du tout. Je pense que les valeurs de l'avocat, de notre profession, sont des valeurs sur lesquelles nous construisons, c'est notre ADN. Je pense que c'est des valeurs très élevées, très favorables au développement de notre activité. On l'a vu tout à l'heure, le patrimoine, le champ lexical, le ressenti de la marque avocat, avant de parler de la marque de chacun des cabinets,
est très positif. Cet actif que nous avons là, je ne suis pas certain qu'on ait tous bien conscience du fait que c'est une vraie chance. Voilà. Alors, on est des spécialistes de l'auto-dénigrement. Ça a été mentionné. Donc, on est effectivement très très fort pour annoncer des mauvaises nouvelles, se battre entre nous, avoir des querelles d'égo, mais réfléchissons quand même à cette idée que nous partons, quand ce jeune confrère, c'est pas du tout discriminatoire de dire ça, mais je veux dire, vous êtes aujourd'hui dans une démarche d'entrepreneur, je pense que vous voyez la marque avocat comme un actif sur lequel vous allez pouvoir construire. Et c'est bien. Alors, la question que vous avez posée, c'est la communication. Et je crois qu'il y a beaucoup d'avocats qui pensent seulement en termes de communication. Or, la réalité, c'est qu'avant de communiquer, il faut faire du marketing. Alors, qu'est-ce que c'est que le marketing ? Ça apparaît encore plus vilain. C'est vraiment l'idée de se positionner dans son marché. En gros, d'avoir une démarche qui n'est pas « je suis compétent parce que j'ai une maîtrise en droit ou un DEA », enfin un master, pardon, excusez-moi, ça fait ancien combattant, un master, j'ai donc droit à avoir une clientèle. Non, c'est « quelle clientèle je peux viser ? Est-ce que je me suis formé pour viser cette clientèle ? Qu'est-ce que j'ajoute, moi aujourd'hui, jeune avocat, dans ce marché, puisqu'il y a plein d'autres confrères, comment vais-je aborder cette clientèle ? Quelle va être mon offre discriminante, distinctive, pour employer un mot plus positif ? Alors, ça peut être le prix. Il ne faut pas avoir honte de réfléchir à l'honoraire moyen sur le marché dans lequel j'opère. Je fais du droit de la famille, je peux réfléchir. Ce n'est pas illégitime de réfléchir à une offre en termes d'honoraires, qui change la donne ? Alors, ça peut changer la donne parce que c'est pas forcément le rabais. C'est pas forcément. Moi, je ne crois pas du tout que l'avenir de l'avocat, c'est des consultations à 60 euros de l'heure. En revanche, toutes les études le montrent, les clients n'aiment pas l'absence de prévisibilité de nos honoraires. Donc, construire notre offre autour d'une prévisibilité totale des honoraires, adapter ce chiffre qui va être un seul chiffre à la clientèle, être compétitif, voilà, c'est ça le marketing. Alors on pourrait dire, mais c'est très injuste, je crois que madame vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'est très injuste parce que des études de marketing, les cabinets d'avocats d'affaires anglais et américains en font, français, à mon avis, pas tant que ça. Et en tout cas, les entrepreneurs de cabinet 300, très honnêtement, on n'a pas de quoi dépenser 50 000 euros dans des études marketing. C'est évident. Donc là, c'est la casquette qu'on se fait d'heure. C'est est-ce que l'ordre, d'une manière ou d'une autre, ne doit pas mutualiser des études marketing ? Est-ce que comme il y a un service de l'exercice, comme il y a un service de la déontologie, comme il y a un service de la communication, est-ce qu'il n'y a pas un service marketing à la disposition de tous les confrères pour dessiner les nouvelles tendances. Alors, les marchés du droit qui ne sont pas suffisamment, j'allais dire adressés, c'est un franglais, qui ne sont pas suffisamment, sur lesquels les avocats n'opèrent pas suffisamment, des marchés à l'extérieur. On fait des campus avocats, c'est super, on va en Chine, en Russie, mais est-ce qu'on a réfléchi en termes marketing, aux besoins d'avocats parisiens ou français dans ces pays ? Et la réponse est oui, notre droit est très fort, droit civil, bon. Mais il faut qu'on sache quoi ? Est-ce que c'est plutôt les publicistes qui vont apporter cette expertise très particulière des avocats français ? Est-ce que, voilà, bon, vous avez compris, on s'est compris. Donc le marketing n'est pas seulement la communication. Et ça, je pense que c'est vraiment un des écueils fondamentaux. Et alors, on en vient à la table 2, et je crois que le mot qui a été prononcé, qui est important, c'est le mot projet d'entrepreneur. Voilà. Je vous donne un exemple. Dans mon cabinet, donc, on a démarré à 4 associés. Nous avons écrit sur Google Docs. On a ouvert une page blanche.
et on a décrit chacun de manière collaborative ce que nous voulions comme projet d'entreprise. Quelle expertise mettre en avant? Quel client viser? Quel investissement faire? Que voulons-nous être dans 5 ans? Et dans 10 ans? Et comment nous allons vivre ensemble? Bon voilà, ça c'est clair que les projets d'entrepreneurs qui fonctionnent à créer des marques pérennes, c'est un peu ce que tu as dit, il faut que la marque soit pérenne, sinon elle n'a pas une valeur très grande. C'est ceux qui se sont mis d'accord sur leur projet. Et ce n'est pas que du droit des affaires. Moi, je fais du droit des affaires. Mais un cabinet de droit de la famille fera la même chose. Un cabinet de droit du travail peut faire la même chose. Donc, réfléchir à notre projet, nous mettre d'accord. Et sur ce point-là, je voulais quand même, parce qu'on ne l'a pas dit, un des problèmes des avocats, c'est quand même notre absence de la culture de l'investissement. Or, nous devons investir dans nos marques. Donc, il ne suffit pas de demander à une agence de faire un très beau logo, de le diffuser une fois sur Twitter, et de se dire, la clientèle va arriver. Voilà. Il y a un investissement à long terme sur la marque, qui passe donc par du marketing, par de la communication, hein. Et cette culture de l'investissement, on doit absolument l'apprendre. Hein. Réfléchissez, vous avez tous dans votre entourage des gens qui ont créé des boîtes dans le secteur industriel et service. Quand ils ont un beau dossier, une belle affaire, bon ben, ils mettent leur argent, leur profit en réserve. Qu'est-ce que fait un avocat? Voilà, il change de voiture, il s'achète une bague. Voilà, bon. Et il faut arrêter, on n'y arrivera jamais si on... Non mais, je suis désolé, c'est vrai, soyons honnêtes, une des difficultés que nous avons, c'est de développer, mais pour ça, il y a besoin d'argent, et donc, il faut apprendre à être des gestionnaires. Et alors, je voulais dire un dernier point, parce que sinon, c'est plus une synthèse. Le dernier point, ça revient un peu à l'autodénigrement, c'est, bon, on râle quand même beaucoup sur notre ordre, sur le CNB, sur la profession, bon. Mais écoutez, on vient de constater pendant 2 heures là, que c'est un actif commun. Alors, est-ce qu'on peut arrêter de râler? Voilà. Est-ce que... Non mais attends. Et est-ce qu'on peut... Non mais est-ce qu'on peut s'investir? Est-ce que j'arrive à avoir des candidats au Conseil de l'Ordre dans le cadre du think tank cabinet de croissance? Pas beaucoup. Parce que voilà, parce qu'on considère que je dois me concentrer sur le développement de mon cabinet. Ok, mais si je ne participe pas, est-ce que j'ai vraiment le droit de me plaindre? Donc, ce que je dis simplement, c'est ma phrase de conclusion, c'est, écoutez, si ce soir vous avez été convaincu par l'importance de développer la marque comme de votre cabinet et l'importance de développer ce bien commun qu'est la marque avocat, investissez-vous dans la profession, consacrez voilà, un gros dossier qui sera le dossier Ordre des avocats. Je vous remercie beaucoup d'avoir été si nombreux. Et maintenant, je vais vous demander d'évacuer. Alors, ça, c'est la nouveauté de l'Ordre. Il n'y a pas de boisson, mais non. Parce qu'aujourd'hui, cette soirée n'a rien coûté aux confrères. Et voilà, c'était partie des choses importantes.